Pas et là est-ce qu'on m'entend? Est-ce que là on m'entend? Test 1 2 1 2. Pas et là est-ce qu'on m'entend? OK. Donc c'est bon. Petite musique de fond. Voilà, voilà. Yo tout le monde, putain, il y a du monde, ça fait zizir, ça va ou quoi la famille? Tranquille ou quoi les gens? Alors attends, petite pause, hop, donc ça j'enlève, bon, c'est la première fois que je suis en stream comme ça là, tac, avec mon PC, le son marche pas, ça marche, yo, pas de son, oui c'est bon, yes, nickel, ça va ou quoi les gens? Attendez, j'écoute le retour, putain, y'a du monde, ça fait zizir, ça va ou quoi la famille? Tranquille ou quoi? C'est bon, bon la caméra elle est un peu proche, mais bon ça va. On va reculer un peu. On va mettre le micro. Ouais, normalement vous devriez bien m'entendre là. Juste pas le retour. Hop. Eh, elles sont où les filles? Et la grande, elle est où? Viens, grande saucisse, viens dire bonjour à tes abonnés. Non mais. Et voilà la grande saucisse. Alors, fais voir Iskamalina, si vous voulez acheter des jeux vidéo moins chers, allez sur le lien de ma dernière vidéo, c'est mon partenaire qui paye. Les jeux vidéo moins chers, je t'avoue que... j'ai déjà pas mal de sites, je les paye pas trop cher mes jeux vidéo. Yo mon pote, c'est moi de Twitch, ah Jade, ça va ou quoi? Ouais, du coup les amis, si vous voulez me voir en live plus souvent, parce que là c'est pas trop optimisé sur YouTube... Je suis tous les soirs, tout le temps en live. Vous avez le lien sur Twitch. Twitch directement. Attendez, est-ce que je peux faire un petit copier-coller? Non. Je vais vous envoyer mon Twitch. Tac. Ah, ma grande saucisse, tu veux partir? Alors, copier. Hop. Voilà, pour ceux qui n'ont pas... Pour ceux qui n'ont pas mon Twitch, je suis tout le temps en live sur ce site-là. Donc vous pouvez aller vous abonner, ce soir je serai en stream et tout, on est assez souvent dessus. C'est Jade qui m'a dit, ouais,
On a eu une petite idée de balancer un stream ici. Pour voir un petit peu. Bon, sinon ça va ou quoi les gens? Alors comment se passe le confinement? Comment se passe ce putain de confinement les amis? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce que vous faites de beau? Moins 70%, mais t'as quoi comme jeu? Parce que bon, après, moi, je vais pas te mentir, j'ai à peu près tous les jeux. Enfin, j'ai pas de jeu en tête. Après, ça peut m'intéresser, mais bon. La bonne idée. Pearl, viens. Viens, ma fille. Viens te montrer, toi. Regardez comment elle a grandi, la petite. Parce que sur la dernière vidéo, je crois qu'il est un peu fort le son, non? Attendez, le son de la musique. Sur la dernière vidéo, la vidéo que j'ai faite de Pearl, en fait, elle a au moins un mois cette vidéo. Comme j'expliquais, je vais avoir une nouvelle box. Là, il me faut 3 jours pour mettre une vidéo sur internet. Donc, c'est un peu compliqué. Là, le live, je le fais avec mon téléphone. Je vais avoir une nouvelle box. Et du coup, vous allez voir qu'en fait, elle a bien grandi, la petite. Vas-y, viens. Hop. Regardez comment elle est grande maintenant. Tu bosses dans quoi? Tu bosses dans quoi? Bon courage à toi parce que c'est chiant de bosser en ce moment là. Regardez comment elle est grande. Elle a 5 mois. T'as pas encore l'habitude des caméras toi hein? Hein? Tu regardes pas la caméra hein? Elle est vraiment grande hein? Regardez-moi ça. C'est une grande pétchole maintenant. Allez, viens te caler avec ton papa. Ouais, Pearl, elle a 5 mois et elle perd ses poils. Regardez mon t-shirt. Voilà, chose qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, c'est lundi, donc c'est le jour de l'inspection. Qu'est-ce que c'est le jour de l'inspection? C'est le jour... Pourquoi tu rigoles? C'est le jour où on leur nettoie les dents. C'est le jour où on leur nettoie les dents aux petites. Et ouais. Et sinon, ouais, donc TV Snap, toi tu joues à quoi comme jeu du coup? Et tu parles de jeu. Ah, ma petite Pearl. Ouais, oh, j'aime pas trop être là. Vas-y, saute. Ils sont pas à leur place. Oh, j'ai plein de poils, putain. Putain, mais elle perd ses poils de ouf là. Brossage demain. Maman, elle m'a tout pourri, mon truc et tout là. Et plein de boue. J'ai éduqué mon chien pendant le confinement. Très très bonne idée. Très très bonne idée. Hein. C'est ce qu'il faut faire. Hein. C'est ce qu'on fait nous aussi. Au maximum. Au maximum. Regarde, je vais vous les filmer. Ils sont en train de jouer. Caméra embarquée. Hop là. Petit reniflage de derrière. Vous voyez. Quelle activité intense. Regardez le reniflage de Poupouille. Là on sent. Eh. Bah oui. Ça va la qualité les gars ou c'est pourri un peu? J'ai regardé vos petits messages. Hop là, parce qu'en plus j'ai une webcam. J'ai pas encore investi dans le mode streaming, mais je vais investir là comme je vais avoir la connexion après. Je vais mettre des caméras et tout. Sympa, sympa. Alors, hein, elle est trop belle, merci, message retiré, salut, yo Wing, ça va ou quoi? Demain, on teste ta vidéo sur le rappel. Bien vu, bien vu, il faut. Ça va, la qualité, bon, bah, nickel. Écoutez, on va faire un petit Snapchat ensemble. Je vous propose qu'on fasse un petit Snapchat et un petit Instagram pour proposer, du coup, aux gens... de venir avec nous pour notre premier live ensemble, comme ça les gars. Alors êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter? Oui, j'espère que je me déconnecte pas d'internet. Si la qualité va, c'est que c'est bien ça, c'est que c'est nickel. Alors attends, Iska Malinois. Et au niveau du son, c'est cool, vous entendez bien? Genre niveau son musique et niveau son quand je parle c'est pas trop
C'est pas trop ouf ouf. Ok, on arrive sur Snapchat, les gars. On va faire un petit snap ensemble. Alors, j'ai 13 demandes d'amis. Hop, 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 j'accepte. Hop, hop. Ouais, les gars, je vous accepte. Hein. Dès que je me connecte à Snap, à Instagram et tout, je vous accepte tous. Je suis désolé si j'arrive pas à répondre à tout le monde, mais bon, regardez. Je sais pas si vous voyez. Là, genre, je me suis pas coupé depuis une heure et j'ai déjà tous ces gens-là qui m'ont demandé un ami. Et regardez. Tous les messages, les messages que j'ai genre directement, c'est assez compliqué de répondre à tout le monde. Qu'est-ce que t'as toi? C'est quoi? Ah, il nous regarde en live. Salut Mika, ça va ou quoi? Bon les amis, voilà, on est en live avec la team Iska Malinois. Donc sur le YouTube Iska Malinois, venez nous rejoindre au plus vite. Venez nombreux, plein de gros bisous, on vous attend. C'est en live avec la team Iska Malinois. On envoie le petit snap qui fait plaisir. Ça, vous rentrez un petit peu dans ma vie d'Iska Malinois, tiens. Je suis un Iska Malinois, tiens. Christophe Leroy, dédicace à toi gros, je sais que t'es sur le stream puisque tu viens de m'ajouter. Alors je vais t'accepter direct. Hop là. Tu connais des élevages de Staffy? Oula. Des élevages de Staffy, c'est un peu compliqué. Je vais pas te cacher que... Des élevages de Staffy. Moi, les gens qui ont des Staffy dans mon entourage, c'est des gens qui vont pas dans des élevages. Ils vont pas dans des élevages. Ils font des reproductions de Staffy et tout. C'est vrai que c'est chaud les. Oh, il est trop beau ton chien, Christophe. Putain, c'est un petit bébé ça. Non, les élevages de Staffy, non. Et au fait, bonjour à ta caméra girl, Emily. C'est passé, elle est là, elle est sur le canapé, elle écoute. Elle écoute. J'ai un stitcher anglais, c'est un ouf. Pourquoi c'est un ouf? Tu sais où je dois le prendre? Bah déjà, t'es dans quelle région? Dans quelle région tu es? C'est ça qu'il faut voir aussi. Hop, les gars, on passe sur Instagram. Vous voyez, j'ai un vieux téléphone, hein. Du coup, c'est vraiment galère. Vous avez vu le temps que je mets pour passer genre de Snapchat à Instagram? Alors votre story, hop, on se met en petit facecam. Vous êtes prêts? Et salut la team Insta, on est en live sur YouTube. Iska Malinois, venez nous rejoindre au plus vite. Plein de gros bisous, ciao ciao les gens, peace out. Salut la... Voilà, tac. Parce qu'en vrai j'ai pas fait de pub ni rien, je vous ai lancé un live comme ça juste pour voir si ça marchait. J'ai vu que vous avez débarqué à une vingtaine. Donc donc j'étais pas prêt. Et bah du coup je vois que ça marche, donc c'est bien, c'est cool. Petit live Iska Malinois. J'habite en Suisse. Ah ouais mais alors attends, si t'es en Suisse, d'après j'ai un collègue qui est parti vivre en Suisse et il m'a dit que là-bas les Staffy c'était illégaux. C'est vrai ou pas ça? Apparemment tu peux pas staffiser en Suisse. Genre, les Staffy en Suisse, ça passe pas, quoi. Niveau de la loi. Non, c'est faux. Putain, mais pourtant, mon collègue, il est parti habiter en Suisse. Il a laissé son Staffy en France parce qu'il avait pas le droit. Est-ce que t'as pas des cantons? Ah, voilà, c'est ça. Ça dépend les cantons. Les cantons, pardon. Les cours H24, donc c'est dur, le confinement avec lui, ouais bah ça tu m'écoules, tu m'étonnes, c'est compliqué le confinement avec des chiens comme ça, moi les miens ils sont en train de dormir là, regardez vous avez la caméra girl, vous avez la caméra girl qui est entourée de ces chiens de garde, voilà, c'est quoi des chiens confinés, dans le canapé, donc normalement Iska elle est là-bas, la grosse, mais là apparemment... Elles ont décidé de faire des caméra girl, enlève ton pied. Ils te voient jamais les gens. Elle veut pas être vue, oh madame. Pauvre caméra girl. Vous savez, c'est un métier difficile d'être caméra girl avec moi.
Parce que quand elle fait pas ce qu'il faut, oh là 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 là. Tu veux pas venir avec nous, caméra girl? Parler un petit peu aux gens et tout. Te présenter, dire comment tu t'appelles, que consiste ton métier avec moi. J'adore. Alors, salut Iska, salut Arias, bienvenue à toi. Ça dépend des cantons, hein. Un mineur peut promener un malinois. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'adore. Ça coûte combien un malinois? Bah, t'as tous les prix, mon pote. T'as tous les prix. Tu peux aller le chercher à la SPA, donc tu vas payer 100 euros. Comme tu peux aller le chercher dans un élevage de travail spécialisé, soit chien de police ou truc comme ça, comme nous on a fait, donc avec Iska et Pearl, et tu vas le payer dans les 900 000 euros. Et tu peux aller le chercher dans un élevage, on va dire, standard, où tu auras des malinois, on va dire, plus standard, où tu vas le payer peut-être 500 euros. En vrai, les prix, c'est ça, quoi. Et oui, on voit jamais la caméra girl. Dans quelques vidéos, vous la voyez faire la bergère ou des trucs comme ça, mais elle est pas trop... elle est morte de rire. Mais elle est pas trop... elle est pas trop vidéo et tout, quoi. Comment ça se passe un malinois dans un refuge? Eh ben, il galère, mon pote. Mais tu parles de quoi? Tu veux aller en chercher un? Si tu veux aller en chercher un dans un refuge, je crois que non, il faut pas être mineur, il faut être majeur. Donc, ou voilà, tu vas avec tes parents ou autre. Et après, eux, en fait, ils font une petite étude sur toi. Ils regardent où t'habites, ce que tu fais professionnellement et tout. Si t'as du temps à t'en occuper et compagnie. Et je voulais montrer tout à l'heure, tu veux que je te la remontre? Je vais te la chercher. Et après, voilà, soit ils t'acceptent, soit ils t'acceptent pas. Je vais vous remontrer Iska. Poupouille, viens. Monte. Oh, regardez la poupouille. La grande saucisse. Regarde la caméra. Moi, oui, tu vas pas regarder la caméra parce que tu sais pas que les gens ils te regardent. Hein. Ma grande saucisse. Mais si on prend un staffy en refuge de 3 ans, c'est bien ou c'est agressif? Mais non, mais en fait, il n'y a pas de chien. Il n'y a pas forcément de chiens agressifs. Il y a des mauvais maîtres. Il y a des chiens avec un tempérament un peu plus difficile. Et après voilà, ça dépend. Hein. Tu peux avoir un labrador agressif, comme tu peux avoir un staffy gentil, un malinois vénère. Voilà, ça dépend vraiment de ce que tu fais avec eux. Et regardez-moi ça, caméra girl, grande saucisse et mini crotte. Donc ça, c'est Grande Saucisse, c'est le petit surnom, elle on l'appelle Grande Saucisse, voilà, vous la voyez là, et là-bas c'est Mini Crotte, appelée aussi Batman, ou plutôt Batgirl, bon dans tous les cas c'est une chauve-souris. Alors attends, tac, salut Doudzi et les deux filles, oh Vincent, ça va ou quoi mon gars? Ah lui il est là, ah les gars, je vous dis ce mec là, Vincent, il doit être là depuis que j'ai peut-être 50 abonnés, c'est un truc de fou. Il a rien lâché, ça fait plaisir gros, comment tu vas mon pote? Tu mérites d'être 10 fois plus connu sur YouTube vraiment, bon après je fais pas ça vraiment. Si un jour des gens m'auraient dit que j'aurais dépassé les 10 000 abonnés, genre je l'aurais pas cru, moi quand j'ai créé la chaîne... Je me donnais pour objectif, vraiment, allez, de dépasser les 2-3 000 abonnés, tu vois. C'était mon objectif à la base. C'était vraiment genre, j'arrive à 2-3 000 abonnés, j'étais content, tu vois. Genre, même tu regardes mes premières vidéos, quand j'ai eu 500 abonnés, j'ai fait une vidéo de remerciement et tout, tu vois. Donc, bon, après, là, on est 11 000, je sais pas si tu te rends compte, mais tu mets 11 000 personnes devant toi, ça fait vraiment beaucoup de monde. Donc moi je suis déjà content. On commence à me reconnaître un petit peu des fois dans la rue et tout. Donc c'est vraiment cool. Voilà, j'en demandais pas plus. Je vais en acheter un et suivre tes conseils. Un malinois du coup? Montre Pearl please, tu mérites plus d'abonnés. Merci Ronaldo. Mais comme il y a 3 ans c'est bien. Ouais, après, le chien a 3 ans et il est en pleine force de l'âge. Hein. Il peut encore apprendre pas mal de choses. Hein. Généralement, un chien, tu peux apprendre des trucs avec jusqu'à 8 ans. C'est mieux de prendre un... Bah, c'est toi, en fait.
Moi je te suis quand t'avais 8K. Bah c'était il y a pas très très longtemps encore les 8K je crois. Hein. C'était il y a un an je pense. Ouais si donc ça fait un... ça date quand même. C'est sûr que je suis pas un youtubeur genre le mec comme comment il s'appelle dites-moi son nom là, le dernier là qui fait des vidéos où il parle vite et tout là sur un fond vert. Et il fait des vidéos genre où aussi il a fait 3 vidéos, il va chez les gens. Il donne des conseils surtout Educ Dog je crois. Ouais, je sais plus. Lui, il a des... enfin, le mec, il est arrivé en un mois, il a déglingué le YouTube game, quoi. Truc de fou. Mais bon, après, ils ont toute une équipe. Moi, faut savoir que je suis tout seul et que j'ai la caméra girl qui, de temps en temps, me donne un coup de main pour filmer. Mais je veux dire, les mecs sur YouTube qui montent comme ça et tout, ils ont des équipes, ils ont du matos de fou. Nous, on a le matériel, mais on a... mais j'ai pas de vrai caméraman, de scripteur et tout. Et puis les montages, je dois les faire moi. J'ai une connexion internet de merde. Donc je mets 3 jours à mettre la vidéo en ligne et tout. Voilà, c'est pas pareil que... mais bon. La marche en laisse, tu pourrais faire une vidéo avec Pearl. Ouais. Alors j'avais commencé à en faire une, mais le problème c'est que putain, vous êtes beaucoup là, les gars. Oh, bienvenue tout le monde, c'est une dinguerie. Le problème c'est que on a changé de méthode entre temps. Donc là, on est passé sur une nouvelle méthode avec la marche en laisse. Donc je ferai. Là, il y a une vidéo. Normalement, enfin pour ceux qui ne savaient pas, qui n'étaient pas là, je vais recevoir une nouvelle box internet. Normalement, je devrais avoir beaucoup plus de gigas. Je vais passer de 1 méga comme j'ai là à 80. Donc, les vidéos et tout, ça va en avoir beaucoup après. Oui, mais tu es le seul à faire vraiment des vidéos avec des bons conseils et sur le quotidien. Merci Léo, ça fait plaisir, mais je pense pas que je sois le seul. Merci pour tes vidéos, on adore avec ma conjointe. Cela nous a permis d'apprendre à bien connaître la race et l'éducation qu'il faut lui donner pour notre future fifi qu'on va chercher le 2 mai. Félicitations et j'espère que le confinement va pas trop vous faire galérer. Parce que nous, tu vois, on a un petit problème avec Pearl. C'est que on est en plein confinement. Et Pearl est dans un âge où il faut lui montrer un maximum de monde, un maximum de choses. Et on peut pas le faire. Donc on a de la chance, elle est pas insociable. Donc on a de la chance là-dessus, mais bon, c'est pas terrible. Alors attendez, je remonte les commentaires. Tac, 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 tac. Merci pour tes vidéos. Tu l'as acheté où, la petite Iska? Je l'ai acheté à 20 km de chez moi, à peu près, dans un élevage de chiens de travail. Bah, j'ai commencé à te suivre. Il me semble que tu avais 30 abonnés. J'avais pas encore ma chienne. Et elle a 3 ans et demi, MDR. Fidèle au poste, échange rien. Merci, ma couille. Ça fait vraiment plaisir. Bah, t'imagines le mec là, Vincent. Genre, il s'est abonné à ma chaîne. J'avais 30 abonnés. Genre c'était il y a 3 ans et il est toujours là, tu vois, en train de suivre les lives et tout. C'est vraiment il a toujours même il a jamais changé de photo de profil. Alors après, je te compare souvent avec d'autres YouTube, à rien à voir. Toi t'es fun, on s'ennuie pas. Merci beaucoup. Après faut savoir, j'en prends plein la gueule aussi hein, les gars hein, dans les commentaires des fois j'en prends plein la gueule aussi et c'est normal, c'est internet et on est là pour ça hein. Je vais vous linker ma petite chaîne Twitch, pour ceux qui l'ont pas, les amis. Petite chaîne Twitch où je live tous les soirs. Maintenant, bah, je vais plus avoir de 4G sur mon téléphone. Donc, j'espère recevoir la box d'ici 2-3 jours. Voilà ma petite chaîne Twitch, si vous voulez aller voir. Tous les soirs, je joue un petit peu aux jeux vidéo. Je prends les chiens en vidéo, des trucs comme ça. Voilà, ça se passe sur Twitch, généralement. Alors, je vais en acheter un, mais j'habite dans une maison dans le centre-ville et tu penses qu'il n'y aura pas de problème? Elle fait combien de mètres carrés ta maison? Parce que regarde, moi je suis en appartement. Hein. Regarde, hein. Ça, je vous montre chez moi. Hop là, ça c'est mon appartement. Là-bas, t'as la cuisine, la salle de bain là-bas. Et là-bas, tu as la chambre. Voilà, et regarde, tu vois, j'ai un balcon. Hein. Et là, regarde, la caméra girl, elle vient d'aller les promener. Elles sont fatiguées, elles bougent pas, donc... Il n'y a pas forcément appartement, maison, il n'y a pas forcément voilà, de challenge. Ça va et toi, Danny Teley? Bienvenue, t'es de quelle région? Je suis du sud de la France, en bas à droite. C'est ça justement qui est le plus intéressant. On voit que tu es vraiment sincère et spontané. Merci ma couille, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Tu habites dans le sud ou dans le nord? Dans le sud, Jade. Vers Nice. Vers Nice. Moi j'habite en Rhône-Alpes. Un Malinois c'est un chien catégorisé? Non, c'est pas catégorisé. Bonjour, je vais prendre un chiot Malinois, c'est pour là, mais je travaille en 8 heures. Comment je pourrais faire?
Comment tu pourrais faire? Bah écoute, je pense que tous les gens qui sont sur le stream vont te dire qu'ils travaillent. Et que le minimum dans ta journée, c'est 8 heures. Donc t'inquiète, y a pas de souci. Tu peux prendre un Malinois. Un Malinois, c'est un chien, les gars. C'est juste que ça demande un peu plus de temps. Faut le sortir, faut s'en occuper. Voilà, faut pas le laisser à la maison toute la journée, sinon il va être malheureux. Comme tous les chiens, j'ai envie de dire, hein. Même un caniche, normalement, moi je vois ma mère, elle a des chihuahuas, elle les sort pas, ben moi je vais les prendre pour les sortir, parce que un chien, ça doit sortir. C'est quoi que t'essayes d'envoyer depuis tout à l'heure, là où c'est marqué message, je sais pas quoi, là, soumis à un examen. Moi j'habite dans la Manche, dans le... La Manche, la Manche, la Manche. 72? Non, je sais plus. Ouais, chercher le département. Je cherche le département depuis tout à l'heure. 72, je crois. Tu es pas le seul à faire des vidéos, mais très bonne explication. Merci pour tes conseils. Ben, merci à vous de regarder. Parce que si vous ne regarderiez pas mes vidéos, ben, j'en ferais pas, je pense, ou j'aurais arrêté. 500 mètres carrés? Mais je vais les laisser dans mon jardin. Mais gros, c'est bon, t'es large, gros, t'es large. Moi, j'ai quoi? J'ai 40 mètres carrés de terrain. T'inquiète, mon gars. Ouais, je suis tout le temps au soleil, sauf aujourd'hui et hier. Ouais, tout le temps au soleil. Merci pour ton retour. On fera au mieux pour la sociabilité malgré le confinement. Petite question, toi, tu choisirais sur la portée la plus vive ou la plus en retrait? Alors, j'ai fait les deux. Iska, c'était celle qui voulait me manger. Elle avait faim. C'est vrai, hein? Elle avait faim quand elle m'a vu, elle voulait me bouffer, elle était là, elle aboyait, elle voulait vraiment me niaquer et tout. Et je l'ai prise. Et au final, bah, quand elle a plus eu peur de moi, ça a pris au moins 10 jours. Et ben, il y a eu une complicité de malade. Après, il y a eu un lien tellement fort que voilà. Et Pearl, et ben, Pearl, c'est l'inverse. Elle venait, elle faisait des petits bruits, des petits. Elle montait sur moi, elle faisait des petites léchouilles, des petits trucs. Et ben, là, à l'heure actuelle, ça, j'ai pas la même complicité que j'ai avec Pearl que j'avais déjà avec Iska. Faut savoir que Iska, elle a accompli un de mes rêves, quoi. J'ai toujours eu des chiens dans toute ma vie, j'ai jamais eu de Malinois. Donc Iska était la première et on a fait des trucs de dingue avec elle. Et pourtant, à la base, c'était celle qui avait le plus peur de moi. Donc, ça. C'est à toi de voir. Sachant que le chien qui est en retrait. Sachant que le chien qui est en retrait. Parce que je lis en même temps, donc je m'embrouille. J'ai pas encore l'habitude de faire ça. Et ben, il risque d'avoir un peu plus peur des gens, donc un peu plus de travail. Le chien qui va en avant, lui, il est déjà sociabilisé. Donc, c'est toi qui vois, mais un chien en retrait, c'est un bon chien après. Une fois qu'il a plus peur. Viens, la fille. Oh, il manque. Alors, tac tac tac, merci pour ton retour. Tu peux nous montrer ta belle Golf? Oula, j'ai plus de Golf depuis longtemps. Je suis passé sur une 308 GTI. Oh, il y a ta tête. Ma Golf, elle a cramé. Enfin, le moteur. Dans le 50. Ok, on attend les nouvelles vidéos. Yes, bah ça va arriver quand j'aurai ma nouvelle box. Là, j'ai quelques montages en cours. Maintenant, comme je te dis, je mets trop de temps à les mettre sur internet. La vie des chats, c'est combien? Au moins un petit malinois. Et comme je disais, t'en as vraiment à tous les prix, hein. Ça va de 100 euros à 1200 euros. Ça dépend si tu prends un chien de travail, un chien de SPA ou autre. Un petit conseil pour les pipis et caca dans la maison. 3 mois de malinois. Caméra girl, tu veux pas venir t'en dire tes conseils pour les pipis et les caca? Parce que c'est toi qui gères ça. Hein? Ouais, mais techniquement avec Pearl. Alors nous avec Pearl on a chié pendant un mois et demi, 2 mois, mais avec Iska ça a duré 3 jours. Donc ouais. En fait Iska vivait dehors. Donc quand on l'a récupérée, elle avait l'habitude. Donc ça a vraiment duré 3 jours. Elle a fait des pipis 3 jours dans la maison, alors que Pearl ça a duré peut-être un mois et demi. Faut rien lâcher. Faut rien lâcher, faut les engueuler quand ils pissent dans la maison et les sortir directement. Mais ça sert à rien de l'engueuler 10 minutes après que la pisse elle soit faite. Hein. Ouais, et les sortir dès qu'ils ont envie. Nous maintenant, Pearl, elle tape à la porte dès qu'elle a envie de faire pipi, quoi.
Et vous voyez, regardez, mes chiens, ils sont bien éduqués. Par contre, ils dorment sur le canapé et tout. Hein. Donc ça, tu, enfin, c'est pour vous montrer que ça veut rien dire. Hein. Ça veut rien dire. Mais ouais, bah, ne rien lâcher et vraiment garder espoir. Et puis dès que tu le vois pisser devant toi, tu le punis et tu le prends, tu le mets dehors. Nous, c'est ce qu'on a fait. Hein? Ah ouais, et dès que le chien boit, tu le sors instantanément. Et dès qu'il mange, ouais. Et dès qu'il se réveille. Dans 2 mois ou un, je vais en acheter un à 600 euros. Tu penses que c'est un prix correct? Bah écoute, 600 euros, ça dépend. Est-ce que c'est un chien de travail ou est-ce que c'est un malinois? Alors si c'est un malinois d'une lignée connue de travail, 600 euros, c'est pas cher. Si c'est un malinois, on va dire, d'une lignée normale, c'est un bon prix. Quand vous allez travailler, le chien est tout seul. Bah maintenant, elles sont deux. Avant, oui, il était, elle restait toute seule. J'ai une caméra en haut, là. J'ai une caméra pour regarder si ça se passe bien. Bon, ça sert à rien parce que ça se passe toujours bien. Mais au moins, je peux lui parler. Genre, des fois, quand t'es à la pause au boulot, hop, tu mets ta caméra, tu peux parler au chien. Le chien se sent moins tout seul. Je laisse tourner la radio en continu. Comme ça, ça fait du bruit, ça lui fait de l'animation. J'ai 13 ans, je vais adopter un malinois. Tu penses que j'arriverai à m'en occuper? Alors franchement, moi j'ai attendu d'avoir... Quel âge? 22 ans? 21 ans? 22? J'ai attendu d'avoir 22 ans. C'est pas pour te désespérer, mais le malinois... Alors je dis toujours, il n'y a pas de différence entre les chiens, mais le malinois, c'est pas à mettre dans les mains de n'importe qui quand même. Dans le sens où si t'as pas le dessus, lui il aura le dessus. Et à 13 ans, je sais pas si tu es capable de gérer un chien qui va faire 35 kilos et qui va être chaud si tu le calmes pas. Voilà, merci pour ton retour. On suit tes vidéos à fond. Merci à Reyes Thibault, ça fait plaisir. Super cool. Moi j'ai payé... Combien on l'a payé Pearl et Iska? 900. Alors moi j'ai payé Iska 900 parce que c'était mon premier. Après j'ai commencé YouTube et tout avec Iska, etc. Et j'avais mis le lien de l'éleveuse donc d'Iska sur YouTube. Du coup elle a eu beaucoup d'appels, beaucoup de monde sont allés chez elle. Et du coup elle m'a fait un prix à 750 euros pour Pearl. À 14 ans tu crois que je peux m'occuper de deux malinois? Ouais, c'est chaud. Franchement c'est chaud. C'est vraiment vraiment compliqué. Moi j'ai même des collègues à l'époque, ils avaient 18-19 ans, les malinois ils ont fini à la SPA parce que je pouvais pas les récupérer. C'est... Moi je le déconseille. À moins que tes parents ils savent ce qu'ils font. Tu habites vers où? Je suis pas très loin de Fréjus, ça serait cool qu'on fasse des balades après le confinement. Bah écoute, j'ai un groupe de balades sur Facebook, Promenade Toutou. 83 ou pas? Tu regardes sur ma page Facebook, Iska Malinois, t'as le lien Promenade Toutou. Et oui, on fait des balades justement juste à côté de Fréjus, Agué, Saint-Raphaël et tout, je sais pas si tu connais. Voilà, on fait des balades là-bas et on en fait souvent après le déconfinement. Donc si tu veux aller sur le groupe, tu peux y aller. Une lignée normale. Ouais, mais c'est bien. Ouais, non, 600 euros, c'est un prix correct. Il peut rester combien de temps un malinois tout seul? Alors, je vais même te raconter un truc. Moi, des fois, je pars au ski. Le matin, je pars à 6h du matin. Je rentre le soir à 20h et mon chien, il aura rien fait dans la maison. À partir de combien de mois le malinois peut faire des runs? Des runs. Alors, je vois que t'es pas mécano, hein. Parce que ton pseudo, pas mécano. Tu veux faire des runs avec un malinois, c'est-à-dire quoi? Tu veux élargir son cylindre, mettre un kit 80, faire les soupapes et faire des courses de malou ou quoi, frérot? Dédicace si tu veux, Fafano DBZ, dédicace à toi, ma couille. Pearl et Iska, c'est des normales? Non, c'est des chiens de lignée de travail. C'est des chiens de lignée, moi. J'ai 14 ans, j'ai déjà eu des chiens. Mais là, on va acheter un malinois, tu crois que je pourrais m'en occuper? Mais c'est pareil, les gars, ça dépend de vos parents. Tant que vous êtes mineur, ça dépend de vos parents, ça dépend pas de vous. De toute façon, il pourra pas être à ton nom, le chien. Je veux acquérir un malinois, mais ma femme est réticente pour les odeurs. Ou je divorce. ouais,
J'ai une solution. Je vais te montrer ça. Regarde. Alors, amigo. Oui, il y en a, je suis en train d'en foutre partout. Eh ben ça sent bon, tu vois. Alors voilà, c'est des machines comme ça. Pourquoi ça fuit? C'est des machines comme ça, vous voyez là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mon cœur vient m'aider, il y a plein d'eau partout. Je suis en train de mettre de l'eau partout. Attendez. Je la repose là-bas. Oh putain. Bref, c'est des machines que t'achètes 20€ la machine. Moi j'en ai une. Une dans le salon. Une dans la cuisine et dans le couloir. Et du coup en fait tu mets de l'eau dedans. Et ça vaporise de l'air et ça t'enlève du coup les odeurs de chien. Même les odeurs de fumée et tout. Genre moi ma voisine elle fume de ouf. Et du coup il y a des odeurs de tabac. Et ben on met ça et ça enlève tout, c'est cool. Sinon ouais non, pour les odeurs t'as vraiment ça. Après faut savoir qu'un malinois c'est un poil nettoyant, donc ça sent pas. Ça sent un peu le chien. Mais moi mon père quand il vient chez moi, il est allergique aux chiens. Ça sent beaucoup moins chez moi que chez ma mère qui a des chihuahuas et un lhasa apso et compagnie quoi. Donc ça sent beaucoup moins. Hein? Quoi? Ouais, par contre, faut les laver. Ouais, nous on les lave. Hein. On les lave, attention. Hein. On les lave souvent. Ça marche, merci, de rien. Iska, elle chope quand tu lui dis de choper? Ouais. Elle chope quand je lui dis de choper. Bah, regarde. Iska, apporte. Allez, donne. Donne le jouet. Merci. Hop là, alors ça c'est Pearl, elle est où Iska? Elle est là. Iska, chop! Oui. Oui. Oui, ça c'est Pearl. Pearl. C'est bien. Iska, chop! Allez! Oui, c'est bien. Lâche. Oui. C'est bien. Oui, les filles. Pearl. Bravo. Et le water jump, voilà. Oui, bien sûr, elle chope quand je lui dis de choper, elle lâche quand je lui dis de lâcher. C'est pareil sur les humains. Si elle chope quelqu'un, elle lâche quand je lui dis. Alors, attendez, on en est où, là? Parce que les commentaires... Moi, j'ai un Doberman. Compliqué, hein, l'éducation hein, sur les Doberman. Hein. Bon courage à toi. Salut, je suis une personne en fauteuil roulante. Je voudrais un malinois. Ça peut se faire. Bien sûr que ça peut se faire. Par contre, je pense que tu vas avoir besoin d'aide au niveau des sorties... Dans le sens où, moi je pense que ça va te faire du bien, tu vas avoir une complicité de ouf. What? Ok, faudra m'expliquer ce que c'est, mais en tout cas... c'est quoi ce bruit? Qu'est-ce qui vient de se passer les gars? Je suis une personne en fauteuil roulant, donc oui, bien sûr, hein, tu peux avoir un malinois en fauteuil roulant. Au contraire, tu vas avoir une complicité avec et tout. Non, mais fonce. Juste, voilà, tu auras peut-être besoin d'aide dans le sens où faut vraiment le sortir tous les jours, hein, le malou. Ou au moins 6 jours sur 7. Hein? Quoi? Ouais, mais non, il peut avoir un malinois bébé, hein, même s'il est en fauteuil roulant. Hein. Ce sera un peu plus compliqué, mais ça se fait. Ça se fait, hein. Franchement, ça se fait. Hein. Moi, je t'encourage à le faire. Hein. Salut Sandrine, bienvenue sur le stream. Ah. Moi, je suis mineur, j'ai eu que des malinois dans ma vie, même avant que j'étais né. Et pour ceux qui se demandent comment ils sont, eh bien, ils sont parfaits, adorables, obéissants, etc. C'est des super chiens. T'as tout dit, mec. Ça dépend du maître. Ça dépend du maître, pas du chien. Comment tu as appris à Iska le mot halt? J'ai appris le halt au pied. Attendez, je vais mettre mes petites lunettes de geek. Bonjour, ouais, non, ça reflète. J'ai appris le halt au pied dans le sens où en fait, on faisait du mordant.
Et après, bah, quand il fallait en gros que halte au pied, elle lâche et elle revienne au pied. Et là, elle avait une récompense, des caresses, du jeu et tout. Donc elle a vite compris que c'était comme ça. Moi, j'aurai bientôt un chiot malinois pour mon anniversaire. C'est fou le nombre de gens qu'il y a. J'aurai bientôt un chiot malinois pour mon anniversaire. Et bah, c'est cool, franchement. Et les gars, ça me fait grave plaisir que vous soyez autant à regarder mes vidéos et à prendre des malinois, quoi. C'est de ouf. C'est de ouf. MDR, la musique. Alors moi, je pense que la musique est due parce que j'ai un abonnement de plus sur ma chaîne Twitch. Voilà, donc je vous la remets encore, cette chaîne Twitch. J'insiste là-dessus parce que les lives seront sur cette chaîne-là. Il n'y aura pas de live sur la chaîne Iska Malinois YouTube. Parce que sur YouTube, on peut faire énormément moins de choses. Vous voyez, là, c'est pas beau. Je suis en grand et tout, je sais pas, c'est bizarre. Alors que sur Twitch, voilà, vous avez des scènes, des trucs, des machins. On peut faire des quiz musicaux, enfin voilà, on peut faire énormément de trucs sur Twitch. Donc voilà, je vous mets ma chaîne Twitch. Allez vous abonner dessus. Et en gros, ça fait quoi, 3 jours que je fais des lives tous les soirs sur Twitch. Et vous êtes pas forcément au courant, même si je l'ai mis un petit peu partout sur Facebook et tout. Mais c'est normal que vous regardez pas tous, donc voilà. Non, si t'es handicapé, prends pas un malinois. Bah après, ça dépend, hein, ça dépend. Hein. Alors attends, on en était où? Comment tu as pris un hein? Moi, j'aurai bientôt un chiot malinois pour mon anniversaire. Bon, on va faire la danse. À chaque fois qu'il y aura cette musique, on va faire une danse parce que elle débarque de je ne sais où, cette musique. Je pense que c'est quand vous vous abonnez sur Twitch que ça fait ça. Oui, allez, c'est reparti. Petite musique électro qui va bien. Merci pour vos follow, les gars. Ça fait plaisir de ouf. Ça fait vraiment plaisir. Alors, berger allemand ou malinois? Moi, je suis team malinois, les gars. Vous le savez. Hein. C'est. Non, si t'as un. Ah là 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 là, attendez, on en est où là? Bah si, non, si. Yo, mon gars. Ça va ou quoi, Démonax? Il est là, il est sur tous les streams, les. Il est sur tous les streams, le frérot. Et allez, la danse. Merci les gars, ça fait plaisir. Malinois, mieux qu'un humain. Bah oui, c'est sûr, hein. De toute façon, les chiens, ils sont beaucoup moins cons que nous, les gars. J'ai un tervuren de travail, il est super, mais les gens le prennent pour un malinois. Bah oui, parce que les tervuren, c'est pas connu. Et moi, j'adore les tervuren, je trouve ça trop beau, c'est un truc de dingue. Les tervuren et les bergers hollandais, les gens pensent que c'est des malinois. Mais non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais après, on va pas se le cacher, c'est un petit peu pareil, hein. Dieiska d'aboyer, elle est en train d'aboyer, tu l'entends pas? Mon grand-père a un berger. Alors, je dis pas d'aboyer tout simplement parce qu'après ça l'excite. Et après, elle veut faire des trucs, tu vois. Donc, elle veut jouer et tout. Là, déjà, elles sont en train de s'engueuler, les deux là. Allez, loustic! Allez, loustic! Ça va, mon cœur. Ouais. Ça, c'est mon bébé chien. Vous voyez, il y a son petit panier là, juste à côté de mon ordi. Comme ça, moi, à chaque fois, je. Hein? C'est ton chausson? Ah, bon, bah attendez, on va la pêcher au chausson. Hop là, récupération de chaussons. Ah ouais, c'est actif, hein, des malous, vous voyez, ça bougeote. Genre là, elles dormaient il y a 5 minutes et elles sont de retour pour nous jouer un mauvais tour. Bon, on en était où, les gars? Mon grand-père a un berger allemand et il est en fauteuil roulant et il est beaucoup plus heureux qu'avant. Bah oui, mais moi, je suis d'accord avec toi, Jade. Après, chacun son avis, mais moi, je pense que c'est une bonne idée. Après, le berger allemand est quand même beaucoup moins speed que le malinois. On va pas se le cacher. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver, les gars, c'est une dinguerie. Big up. Alors, tac tac tac, malinois, le chien le plus intelligent. Et oui, c'est pas un border collie. Ouais. Bah, ça, après, les gars, il y a team malinois, il y a team border collie, il y a team doberman. Voilà, chacun ses préférences. Moi, personnellement, c'est le malinois pour moi le meilleur chien. Mais après, on n'est pas tous d'accord là-dessus. Et je le comprends totalement. Au début, c'était compliqué avec Pearl pour prendre et relâcher. Non. Je regarde la caméra girl parce que elle a une mémoire de fou. Et non, ça a jamais été compliqué. Hein. Ça a jamais été compliqué. Regardez là, elles sont en train de jouer là. Mais c'est très calme, hein, regardez. On voit pas Iska vu qu'elle est en dessous du truc là.
Regardez. Alors, je vous annonce un truc. Vous allez être surpris. Mais Pearl, elle a un mordant de malade. Genre vraiment, à l'âge d'Iska, ou même quand elle aura un an et demi, à mon avis, elle va mordre, mais trois fois mieux qu'Iska. Une dinguerie. Qu'est-ce que t'as, Axel? T'as un problème, Axel? Elle a un mordant de fou. De fou. Vraiment. Genre, elle mord là. Tac, elle reste, elle bouge pas, elle grogne pas. Tu peux la soulever et tout. C'est un truc de malade. Malinol, je sais, hein, au début c'était compliqué. MDR, ce soir t'es sur Twitch. Ce soir je suis sur Twitch si j'ai encore assez de gigas internet. Mais ouais, ma gueule. C'est avec plaisir que vous pourrez venir me rejoindre sur Twitch, les amis, ce soir, après manger. Bonjour, je voudrais savoir à partir de combien de mois je peux faire courir mon Malinois avec moi. Alors, c'est une très bonne question, Stéphanie. Bienvenue à toi d'ailleurs. Il faut pas commencer trop tôt parce que y a ces cartilages et tout qui sont en train de se créer. Donc moi par exemple, Pearl, 5 mois c'est encore trop tôt. Je suis pas le spécialiste là-dedans, mais moi je commencerai pas avant, je pense, je dirais 15 mois. Je dirais que 15 mois c'est bon. 15 mois c'est l'âge idéal. Oh, doucement, wesh. Regardez-moi ça. Ah bah, elles se sont calmées. 15 mois c'est l'âge idéal, c'est je pense que 15 mois c'est bien. Tu peux peut-être commencer un peu avant, mais en tout cas 15 mois c'est bon. 15 mois c'est top. D'ailleurs les gars, je viens de me penser un truc, je vais acheter une autre caméra quand on fera des streams comme ça, et je mettrai une caméra sur mes chiens et une caméra sur moi, et je pourrais faire des switch, comme par exemple comme ça, regardez. Switch 1, boum, vous avez ça. Switch 2, boum, vous avez mon ordinateur qui apparaît. Donc ça c'est mon interface un peu Twitch, tu vois. Et hop, donc du coup je mettrai notre caméra, on pourra switcher comme ça, vous pourrez voir les chiens. J'ai utilisé 30 Go d'internet sur 60, donc à mon avis ce soir je pourrais Twitch. Alors on en est où les copains? Voilà, mon Malinois a 3 ans dans 3 jours, bah, c'est très bien, 3 ans, c'est parfait comme âge. Tu peux tout faire avec. Ender, tu me tues. Axel, il est en train de crever, les gars. Axel est en train de crever, il m'a envoyé un message, il m'a dit quoi? C'est ouf. Et ouais, ma gueule, mais c'est dire. Alors, j'ai un Malinois de 1 an, et c'est grâce à tes vidéos que j'en ai pris un. Continue, c'est top, merci mon gars. Ça fait plaisir, merci à toi. Merci, c'est sympa. Malinois mâle ou femelle, ça dépend. Est-ce que tu es une fille ou un garçon? Hey, telle est la question. Alors là, il y a mon tweet. C'est quoi le mieux pour un mineur? Mâle ou femelle, Malinois? C'est pareil, ça dépend. Si t'es un garçon, le mieux, c'est de prendre une femelle. C'est pas une légende, c'est validé. J'ai toujours eu des mâles. Et mais pas plus de 3,5 kg pour goûter le... Parce que je lis aussi après. Ouais, non, si t'es un gars, franchement, une femelle c'est bien. Si t'es une femme, un mâle c'est bien. Mais faut savoir que le mâle risque d'être jaloux si t'as un copain, et la femelle risque d'être jalouse si t'as une copine qui arrive après. Après voilà, hein, tu peux avoir une complicité de ouf avec un mâle. Mais moi je vois Jonathan, je sais pas si t'es sur le stream ou quoi, avec son Rocky, il a pas la même complicité que moi j'ai avec Iska. Il y a un rapport de force. Il y a un rapport de lui, il veut taper, l'autre il veut recevoir, un petit peu mal. Voilà, alors que moi quand je gueule, là si... On va faire un test les gars, regardez, vous êtes prêts? Elles sont où les chiennes? Je vais crier un coup, vous allez halluciner. Hé! Qu'est-ce que tu fais? Regardez. Elle est où? Qu'est-ce que tu fais? À ta place. Ta place, Iska, qu'est-ce que t'as fait? Regardez comment elle est malheureuse. Qu'est-ce que t'as fait? Allez, viens, je rigole! Allez, viens, ma fille! Oh putain! Oui, mon cœur, je rigole, oui. Voilà, bah ça, ce genre de truc-là, tu l'auras plus facilement avec une femelle qu'avec un mâle, alors que j'ai juste levé la voix. Donc imagine que je crie vraiment dessus. Genre, elle fait une connerie, je l'engueule, elle est au bout de sa vie, quoi. Alors qu'avec le mâle, voilà quoi. C'est quoi le mieux pour un mineur, mâle ou femelle? Mon chien fait les besoins dans la maison, qu'est-ce que je fais? Il faut pas le laisser faire, mon gars! Te laisse pas faire!
tu le prends et tu le jettes dehors. Non, mais en gros, comme je disais tout à l'heure, dès qu'il boit, tu le mets dehors. Dès qu'il mange, tu le mets dehors. Et dès qu'il se réveille après une sieste, tu le mets dehors. Et il va comprendre en gros que ses besoins, c'est dehors. Moi qui fais partie... Ouais, donc justement, ouais, au niveau du canicross et tout, Vincent, il est calé là-dedans. Donc si vous avez des questions pour courir avec les chiens, faire du vélo avec les chiens et tout, n'hésitez pas, tant qu'il est là, profitez-en. Est-ce que tu fais des sports de mordant ? Oui, je fais du mountaineering avec Pearl. On va entamer les compétitions après le confinement. Et je fais du chien... Je viens de tout casser. Et je fais du chien de défense, sécurité, travail avec Iska. Viens ma fifi, arrête. Je t'ai pas engueulé tout à l'heure, c'est pas vrai. Moi oui, je vous ai pas engueulé les filles, hein. Alors attendez, parce que là vous envoyez plus de messages que je suis capable de lire. Poussez-vous. On en était où? C'est quoi le mieux, nanana? Est-ce que tu fais des sports de mordant? Donc ouais, 18 mois pour le vélo. Ah tu vois, j'étais pas loin. Par contre 12 mois, mais pas plus de 3,5 km pour pas dégoûter le loup. Ouais. Coucou, j'aimerais prendre un malinois, j'adore cette race. L'anxiété de séparation, le berger malinois, on peut lui apprendre plus facilement, j'imagine, et son calme. Ils sont calmes une fois qu'ils ont sorti. Alors faut pas rêver, le malinois, il est pas souvent calme. Hein. Hein, tu confirmes, caméra girl? Ils sont pas souvent calmes. Mais, arrivé d'un certain âge, genre 6 ans, on va dire, tu diminues de 0,25% par rapport à quand il était jeune. Hein? Donc voilà, dès qu'ils ont 6 ans, ils commencent à ralentir un peu. Les sorties, tu vas faire une grosse sortie, je pense que Vincent il peut te le confirmer, tu vas faire du vélo, des trucs, des dingueries avec, pendant 2 heures le chien il va être ok, après il va repartir, ça faut le savoir quand même, c'est que les malous ça part très vite. Ça fait plaisir que tu sois si heureux de voir du monde content pour toi. Ben ouais gros, je suis content, je parle à des gens et tout, je balance un live à l'improviste et il y a du monde qui arrive, donc c'est super sympa. Salut Osmo et bienvenue à toi, ça va et toi mon gars? D'accord, merci pour le conseil. Pourquoi c'est mieux un mâle, fille, femelle, gars? C'est à cause du rapport de force. Ouais, c'est ça. Je ne savais pas. C'est très utile de savoir. Après, c'est pas forcément mieux. Hein. Ça dépend de toi, ton caractère et tout. Après, on va parler d'un sujet un petit peu... voilà. Si tu es un garçon efféminé, tu t'entendras mieux avec un mâle, par exemple. Voilà. Après... Et encore, est-ce que je viens de pas te dire une connerie? Nous, on a un collègue qui est homosexuel. Il a vraiment du mal hein, avec son malinois. Il a vraiment du mal. Son malinois, il prend le dessus, il monte les dents et tout. Hein, donc, voilà, il y a le rapport de force, mais... Hein ? Voilà, c'est parce qu'il manque d'autorité, justement. En fait, comme il est homosexuel, eh ben, il n'a pas cette niaque de confronter avec le mâle. Donc lui, il prend le dessus et c'est problématique. Alors que s'il avait une femelle, il n'y aurait pas ce problème-là. Ah, c'est un peu bizarre, hein, mais bon. Combien de temps tu les sors par jour? Car tout le monde dit qu'ils sont super speed. Moi, je lui apprends des choses de sociabilité. Alors, il y a sortie et sortie. Il y a sortie pour faire les besoins. Donc ça, on les compte pas. Hein, vous sortez le chien, nous moi je le sors à 8h le matin, à midi, à 16h et à 20h. Et quand je travaille, 8h le matin, 16h et 20h. Après ça dépend des horaires et tout ça. Après la sortie, faut faire, bah là par exemple au confinement, on les prend, on s'en va pendant une heure et demie, une bonne heure on va dire. Une bonne heure avec, où on fait de l'éducation, faut les faire travailler, hein, faut faire de la recherche. Faut lui apprendre des trucs, faire du mordant, des trucs, des machins pour qu'il réfléchisse. Et c'est là, c'est en réfléchissant qu'il va se fatiguer. T'as beau lui lancer des trucs pendant 20 minutes, aller-retour, 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 il va être fatigué, mais après il va repartir. Alors que si tu le fais réfléchir, c'est là que ça dépend des sorties. Je suis mineur, je veux bien un malinois, tu penses que c'est bien? Tout dépend de tes parents, amigo. Comme je disais tout à l'heure, ça dépend vraiment de tes parents. Un malinois, il faut le balader tous les jours, ouais, au moins 6 sur 7. Hein. Genre, imaginons,
Allez, demain il fait de l'orage de ouf, tempête, t'as vraiment pas envie de le sortir, bah n'y va pas, mais tu sais que le lendemain t'es obligé quoi. Tu sais que des monaques je t'emmerde, c'est compliqué. Tu sais qu'il faut aller le balader quoi, c'est. T'es obligé. J'ai un Doberman et l'apprentissage était dur, mais c'était une chienne merveilleuse. Ouais, je sais. Juste le problème, c'est la santé. Ouais, le Malinois, il est vraiment, vraiment plus fort hein, niveau santé. Hein. Je touche mon front, t'as quasiment jamais de problème. Par contre, quand t'as des problèmes, c'est de l'urgence. Hein. Moi, nous, on a eu les empoisonnements, les trucs comme ça, mais ça tombe quasiment jamais malade. Ça a pas besoin d'aller au toiletteur pour les poils, ça a pas besoin d'aller au veto pour les ongles parce que ça se fait les ongles tout seul sur les griffes. C'est un Malinois, c'est un chien autonome, il a besoin de rien. T'achètes le chien, t'achètes les croquettes et c'est tout. Et les entretiens, bien sûr, vermifuge et tout ça, mais que dalle, c'est rien, c'est super fort. Après, ouais, le Doberman, moi, mes patrouilles en ont un, c'est super fragile hein, comme chien, super fragile. J'ai l'impression que la réglementation pour faire un sport de mordant est très strict en France. Ça n'a pas été trop compliqué pour toi? Alors, non. En fait, c'est très strict si t'as pas de chiens qui ont des papiers. Genre, moi, elles sont toutes les deux confirmées l'off, de lignée de travail, avec tous les papiers et tout. Donc, à partir de ce moment-là, tu peux faire du mordant dans tous les clubs, y a pas de problème. C'est juste qu'il faut trouver des hommes d'attaque. Mais comme moi, je suis volontaire à mettre le costume et tout ça, on galère pas trop. Voilà, mais il faut, si t'as pas de papier, si ton chien il est croisé malinois, c'est mort. Tu vas galérer de ouf, faut que tu trouves un gars qui veut bien faire du mordant et c'est interdit, donc c'est chaud. Mais là, ils sont calmes chez vous, ouais, parce qu'ils ont pris l'habitude et puis ils viennent de sortir. Juste avant le live, ils sont allés promener. Salut Arthur Gardienne, bienvenue à toi sur le stream, ça va ou quoi? Les gars, je vous envoie mon petit Twitch, hein. Je sais, je répète, hein, mais pour ceux qui viennent d'arriver. Petite chaîne Twitch, c'est là où je fais des lives le soir. Donc si vous voulez voir des lives comme ça, là, comme actuellement, ça se passe sur Twitch, pas sur YouTube. Là, c'est exceptionnel. Salut, ça va? Malinois et Doberman, ça se ressemble dans le caractère? Pas du tout. C'est pas du tout le même caractère, mon gars. Oh putain, j'avais pas vu toutes les questions qu'il y a après. Les besoins dans la maison. Moi aussi, je manque un peu d'autorité. Déjà, je galère des fois et j'ai juste une femelle. Alors, Léo, une technique. Avant que je sois allé en formation pour éducateur canin, maître chien, je faisais: Iska, tu te calmes. Iska, viens au pied. Allez ma fufu, arrête et tout. Viens au pied ma fille. Merci pour le follow, ma gueule. Ça fait plaisir. Donc attends, on attend la musique. Voilà, je parlais vraiment comme ça. Allez, viens mon cœur et tout, machin et tout. Ton chien, quand tu veux qu'il vienne au pied, c'est Iska au pied. C'est rien, ma fille, t'inquiète. Tu vois, c'est tac, tac, c'est ferme, boum, boum, boum. Iska, lâche. Iska, cherche. Tu vois, c'est pas... Allez, cherche ma fille. Allez, tu vas trouver, allez. Voilà. Déjà, de base, quand... Ils sont paniqués, mes chiens, là. Ils sont paniqués, c'est un truc de fou. De base, quand tu comprends qu'il faut avoir une intonation, tu vois, assez sèche, tu gagnes un temps de malade. Voilà, vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Je voudrais un Malinois, mais pour ma mère, veut pas. Comment la convaincre? Alors, ce que je te propose, c'est de lui montrer mes vidéos où il y a des enfants, où il y a du monde et tout, tu vois, pour qu'elle voie que c'est pas un chien forcément d'attaque. Le Malinois doit manger combien de fois par jour? 2 fois quand ils ont l'âge de Pearl, 1 fois quand ils ont l'âge d'Iska. Ouais, salut Abdel, bien ou quoi ma couille? Tranquille. L'apprentissage est dur chez le Malinois? Pas du tout, c'est un des chiens le plus facile à dresser. Salut Ilan, Vincent Nolène, juste pour rigoler, 8 km avec une moyenne de 16 km/h. Bah quand tu rentres, mon Malou va dormir 2 heures, encore je suis gentil, et après c'est reparti pour un tour, voilà. C'est exactement ce que je disais les gars. Vince il confirme, Vince c'est un vrai, vous pouvez voir, il fait des trucs de dingue aussi avec ce chien. D'ailleurs Vince, je sais pas si t'as pas une petite chaîne YouTube ou quoi, j'avais vu des petites vidéos, toi lâche-la dans les commentaires. Lâche, je sais que j'avais vu des petites vidéos, des petites vidéos, 1, 2, 3, de toi en train de faire du vélo, non? Un Malinois peut vivre dehors toute la saison? Alors, oui et non. Moi, je suis pas pour. Après, j'ai une amie, Anso, je sais pas si elle est sur le stream, peut-être, du Kalejani. Elle le fait, tous ses chiens vivent dehors, il se passe très bien, mais nous, on habite dans le sud de la France aussi, les gars.
N'oubliez pas que si vous habitez en Belgique ou quoi, le chien, quand il fait moins 5 degrés dehors, il se l'écaille quand même. Hein. Salut Sparrox, bienvenue sur le stream. Salut, j'aime ce que tu fais. Merci mon gars, ça fait plaisir. C'est cool ma gueule. Niveau alimentation, vous donnez quoi comme croquettes? Alors, nous on donne des... Alors, c'est assez compliqué. Moi, niveau croquettes, je suis un peu compliqué. Là, on est sur du Royal Canin. On est sur du Royal Canin, pourquoi? Parce que je viens d'avoir Pearl. Et Pearl, elle a été nourrie des bébés avec du Royal Canin. Donc, on a été obligé de rester là-dessus. Donc, on est passé sur du Royal Canin pour Iska aussi, pour pas trop mélanger et faire un truc comme ça. Après, l'alimentation, c'est quand même compliqué. Hein. Je vais pas te cacher, y en a qui nourrissent avec de tout et n'importe quoi. Même les croquettes Décathlon, pas n'importe lesquelles. Hein. Les bonnes Décathlon font l'affaire. Elles font clairement l'affaire. Ça, tout dépend de ce que tu fais avec ton chien, c'est ça en fait. Tout dépend du niveau d'activité et tout ça que tu fais avec ton chien. Tu aimes mon Malinois? Tu aimes lequel de Malinois? Qu'est-ce ton piège? Oulalalalala. Attendez. Combien tu fais de sorties par jour? 5. Tes chiens te défendent si tu vas te battre? Ah bah j'ai même pas besoin d'aller me battre. Ils y vont avant. C'est toi qui dis attaque ou il y va direct? Donc il faut que ce soit toi qui lui dise. Et encore, c'est interdit de dire attaque en France. Parce que c'est comme si tu disais, tu transformais ton chien en arme. Donc moi je dis pas attaque mais je dis allez. C'est-à-dire que si je me fais agresser dans la rue, je prends mes chiens, je leur dis allez, ils vont aller mordre. Mais attention, légitime défense et tout le tralala. Donc ça c'est autre chose. Avant d'envoyer ton chien à l'attaque, renseigne-toi bien parce que tu vas te le faire piquer ton chien sinon. Si le mec il est là avec une batte de baseball, il te met un coup dans la gueule, tu tombes KO, ton chien il mord. Là c'est autre chose. Par contre si tu te balades dans la rue, un mec il te dit ouais toi, nique ta... Et toi tu dis allez vous êtes chaud les gars, on va le niquer ce bâtard. Et hop là t'envoies tes chiens à l'attaque mon gars, tu finis au tribunal, tes chiens sont piqués et basta cosy. Donc fais vraiment attention à ça. C'est quoi la différence de caractère entre le Doberman et le Malinois? Le Doberman est beaucoup plus mou, beaucoup plus stone, beaucoup moins souple, beaucoup moins agile et très intelligent, contrairement à ce qu'on peut croire. Le Doberman au niveau des jeux d'intelligence là, d'ouvrir des croquettes dans des petits pots machin et tout, c'est une dinguerie. Et il est beaucoup moins speed, donc il est plus posé sur la réflexion. Le Doberman va réfléchir avant d'agir, alors que le Malinois va agir et après va réfléchir. Merci pour tes conseils, mais de rien. Les gars, j'ai soif. J'arrête pas de parler. Tu as fait une formation d'éducateur canin et tu as complété avec une formation maître chien. Alors l'inverse. D'accord, merci beaucoup de ta réponse. De rien. Mon chien est lof, mais pas confirmé. Un éleveur m'a dit pas besoin de le faire confirmer. J'ai été surpris. Il m'a dit vous le faites pas reproduire, pas besoin de confirmation. Alors, c'est vrai. Techniquement, c'est vrai. Mais après, la confirmation, ça coûte rien, les gars. Je crois que c'est 20€. Donc, autant le faire, franchement. Mais il a raison. T'as pas obligé de faire confirmer ton chien tant qu'il a tous les papiers et tout. Il peut aller faire du mordant et tout. Après je crois que dans certains concours ils demandent la confirmation. Et si tu fais du chien de beauté, là tu es obligé. Alors Démonax, enchaîne. T'es grave à la bourre. J'ai mon coach les gars, j'ai un coach sur Discord, il est là genre hein. Alors mon chien est love, tac. Ça va et toi mon pote? Pourquoi t'as choisi une femelle et pas un mâle? Donc ça je vous l'ai dit tout à l'heure. On en est où là? Ok. Je vous l'ai dit tout à l'heure parce que tout simplement j'ai eu un coup de cœur pour Iska qui était une femelle malinoise et j'avais jamais eu de femelle. J'ai toujours eu des mâles depuis que je suis tout petit et en fait c'est passé un truc de dingue avec Iska. Donc voilà, je suis reparti sur une femelle et je le regrette pas parce qu'il y a un truc avec les femelles que j'ai pas avec les mâles. Le Staffy est difficile à dresser? Non, pareil, c'est un chien super intelligent le Staffy. C'est quoi comme chien? Flocon? Je sais pas qui c'est, Flocon. Ah, Flocon de neige, ok, oui. Non, j'ai un Staffy, c'est très obéissant. Mais moi, si tu achètes dans un éleveur, il doit te donner des papiers pour le chien. Eh oui, mais après, ça dépend de quel élevage. Mais t'es obligé d'avoir des papiers maintenant, je crois, hein, dans la législation. Hein. T'es oublié, tu t'as plus le droit d'acheter des chiens sans papiers, je crois. Si je dis pas de bêtises. J'ai une chienne malinoise et elle a 4 mois et demi. Je galère avec le coucher. Ouais, j'ai un conseil avec le coucher. Un peu barbare. Mais ça marche. Parce que moi, Pearl aussi, elle galère. Comment je fais pour...
Alors, oui, bon, déjà, tu le mets en hauteur, tu le mets sur une caisse, et dis-moi que je t'emmerde, en fait, si je suis en retard et que je réponds pas à tout le monde directement, parce que je prends le temps d'expliquer les choses un par un, voilà. Ça prend plus de temps, mais au moins, les gens, ils savent de quoi on parle, putain de merde. Alors, tu prends une caisse, tu le mets dessus, tu prends à manger, là, dans ta main, hop, tu le descends. Tu vois, tu le prends, tac, tu le descends au niveau de ses pattes, hop, là, tu le mets par terre et tu lui dis « coucher ». Il va renifler dans ta main, il va poser la truffe, hop, et après, il va se coucher doucement. Si ça marche pas, donc ça, c'est la méthode douce. Si ça marche pas, tu prends une laisse, un collier, tac, t'attaches la laisse, tu prends... Ah, faudrait que je le montre. Je peux pas le montrer. Je peux pas le faire comme ça. Regarde, je vais te montrer comme ça. Pas bouger. Non, pas bouger les chiens. Donc, je sais pas si tu m'entends là. En gros, tu prends la laisse. Tu prends la laisse, tu la... Donc on va faire comme si elle était sur le chien. Là, elle est sur le chien. Tac. Tu mets ton pied. Tu mets ton pied. Je sais pas si tu m'entends de tout là-bas. Tu mets ton pied là. Comme ça. Hop. Et en fait, tu tires à droite sur la laisse. Comme ça. Là. Hop. Là, tu tires avec ta main droite. Tout doucement pour pas lui faire mal, et le chien il va tomber vers le bas. Voilà. Donc je sais pas si tu m'as entendu, mais en gros voilà, tu tires sur la laisse avec ton pied. Tout doucement, faut vraiment pas lui faire mal, faut pas faire la truc brusque, hein. Faut vraiment tout doucement. Hop, tu tires doucement avec ton pied, on rappelle, et le chien, il va descendre jusqu'à se coucher. Et là, tu le félicites comme un dingue. Il faut vraiment, vraiment le faire bien, hein, par contre. Hein. Le fais pas comme un sauvage. Et tu dis pas que c'est moi qui t'ai dit de faire ça si tu le fais comme un sauvage, gros. Parce que moi, je veux que tu le fasses bien. Hein. Le staffy est difficile à dresser, pas du tout. Tac, 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 les gars, on en est où, moi? Si tu achètes un éleveur, Depuis tout petit, je rêve d'avoir un malinois, c'est trop beau. Bah, t'as raison, mec, moi aussi, je rêvais d'en avoir un jusqu'à mes 22 ans où j'ai eu Iska. Un Tervuren, flocon, tu as acheté en France? Oui, tu l'as payé combien? C'est bizarre, non? Parce que je vais le prendre, 990€. Ah, merde. Alors, on en est où? Salut, c'est Tiger Blanc. Oh, White Tiger, ça va ou quoi? Sébastien Cassandra. Alors, tu es une fille ou un garçon? Est-ce que tu t'appelles Sébastien ou est-ce que tu t'appelles Cassandra? Moi, je veux trop un Staffy, là, mais il y a pas d'éleveur en Suisse. Les Staffy, c'est de la bombe, mec. Hein. Moi, j'aime bien. J'aime bien les Staffy, mais bon, après, voilà, je sais qu'en Suisse, apparemment, c'est un petit peu galère. Pierre, est-ce que tes chiennes sont stérilisées? Affichez, tac, affichez les gars, je mets vos commentaires là. Oui, j'en ai une qui est stérilisée, donc Iska, et l'autre qui ne l'est pas. Donc il va avoir ses premières chaleurs. T'as deux femelles? Ouais, c'est deux femelles, je suis sûr. Il va mettre 10 minutes à lire ce message, il est 19h20. Et il est 19h24, mauvaise langue ma gueule. 4 minutes mon gars. Vidéo, quand je cours, j'ai pas mais une photo d'un départ de course que je peux t'envoyer et partager si tu veux sur YouTube, j'arrive pas. Vas-y, envoie-le-moi. Tu m'en as mis sur mon Facebook personnel, non? Si tu m'en as mis sur mon Facebook personnel, réponds-moi juste oui et si c'est bon, envoie-le-moi et je le partagerai ici. Tac, tac, tac. Alors, vidéo quand je cours, tatata. Bon, merci beaucoup pour les réponses. Je vais réfléchir et jamais on fera savoir si je suis dans le sud. Bah ouais, carrément. De toute façon, moi les gars, je fais des rencontres abonnés. Enfin, des rencontres abonnés. Tous les gens qui sont dans mon groupe de balade canine sont abonnés à la chaîne YouTube. Donc, en soi, voilà. Iska 900€ et Pearl 750. Moi, je fais pareil pour le coucher. Nickel. Un chien fonctionne par association. Tu peux entendre qu'il se couche d'initiative et à ce moment-là lui dire de coucher. Ouais, tu peux aussi faire cette technique-là et cette technique-là, je l'ai fait aussi pour le aboie. Quand je sonne à la porte, mes chiens aboient et je disais aboie et ils ont assimilé. Ça change quoi si je prends un malinois standard et
Si je prends un Malinois dans un éleveur. Alors, bah ça dépend. Si tu veux faire du mordant, du ring, du monjo ring ou des trucs comme ça, le chien qui a une lignée de travail avec ses parents qui travaillent depuis tout petit, aura beaucoup plus de facilité. Mais vraiment, beaucoup plus de facilité. Quoi, les gens? Alors, attends, petite pause. Hop, donc ça j'enlève. C'est la première fois que je suis en stream. Ok, je sais pas pourquoi j'ai mon truc qui vient de se lancer là. Comment fais-tu? Alors attends, ça change quoi si je prends... Ok, comment fais-tu pour avoir un chien lof? Il faut payer un vétérinaire pour faire une vérification? Non, pas du tout. En fait, il faut que ton chien soit confirmable. À partir du moment où il est confirmable, t'envoies tes papiers à la centrale canine qui vont te... et tu te renseignes un petit peu où est-ce qu'il y a des confirmations de loft près de chez toi. Et après tu vas à un rendez-vous, ils vont te demander de faire une marche au pied et tout ça. Si tu veux, il y a une vidéo sur Iska Malinois où je vais faire confirmer Iska au loft, si tu veux voir. Tu peux montrer Iska? Ouais, c'est Sébastien. Yo Sébastien, oui j'ai... Bah vas-y, envoie-le-moi sur mon Facebook personnel. Si on achète un Malinois chez un particulier, c'est légal? Bah, il y a des nouvelles lois en fait qui viennent de sortir et je me suis pas trop renseigné là-dessus. Mais il me semble que maintenant on peut plus vendre les chiens comme ça si on n'est plus un éleveur. Attendez, je vais sur Facebook pour vous montrer la petite photo de notre ami. Enregistrer l'image. Bureau. Tac, j'enregistre l'image tranquillement. Hop. Et regardez, je vais vous montrer Vince avec son petit toutou. Putain, là on... Wow. Là tu venais d'arriver ou tu partais là? Parce que tu me parais grave vénère, mon gars. Regardez. Hop là, voilà. Donc là vous avez Vince avec son Malinois. J'ai du mal à voir, il a quoi comme chien le mec derrière? D'ailleurs Vince, parle-nous un petit peu ton... Quand tu fais des courses comme ça et tout, tu as beaucoup de Malinois ou... Qu'est-ce qu'il y a essentiellement comme chien dans ce genre de compétition? Qu'est-ce que tu as comme chien dans ces compétitions là? Raconte-nous un petit peu comment ça se passe et tout ça. Attendez, il y a des Monax. Ouais, j'ai des Monax bien ou quoi? Oh ma gueule. Bah alors, non, je suis en live là, mais comme ça, je parle pas assez rapidement à mes abonnés. Alors, t'es archi long, vas-y, le mec il posait une question, t'es obligé d'attendre 15 minutes. Hein. Et alors, au moins je réponds bien. Merci pour le follow, les gars. J'ai jamais eu autant de follow sur Twitch. Le truc il arrête pas. Vas-y Vince, parle-nous un petit peu. T'es en follow là? Ah, je viens de tout fermer, je suis un sgeg. Ah non, ouais non, mais en fait j'ai mis ma chaîne Twitch. Tu vois, et comme ça les gens ils vont follow Twitch, comme ça ils me voient aussi en stream sur Twitch parce que je fais jamais de stream sur YouTube. Et ouais, bah ouais, non mais c'est bien que tu fasses les deux. Mais avant, attends, j'ai même pas vu que t'étais sur Twitch aussi. Non, sur Twitch, j'ai la page ouverte et les gens ils vont follow. Bah tiens, y a des gens, ils marquent des trucs. Donc voilà. D'accord, ok. Donc, bah attends, je me remute du coup ma couille. A toutes. Vas-y, y'a pas de... D'ailleurs, au passage, les gars, s'il y a des gamers là parmi vous, sur ma chaîne Twitch, vous avez la chaîne Twitch, je vais vous montrer. Hop là, vous avez la chaîne Twitch. Non, mais c'est pas, je parle pas à toi, Milan. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je suis en live devant plein de monde. Bonjour à tous. Yo, man. Vas-y, Milan, va lâcher un petit follow, non? Tu tapes Iska Malinois sur YouTube. Ah mais je suis déjà follow. Va voir. Non mais dis donc, va dire bonjour un petit peu à tous mes abonnés là. Non mais franchement tu gères, gros. Franchement tu gères. Bah merci gros, ça fait plaisir. Donc du coup j'étais en train de montrer à mes copains là. Voilà, sur Twitch, vous voyez. Ici vous avez Discord. Si vous cliquez dessus, hop, vous arrivez sur mon vocal et on peut discuter tranquillement. Voilà. Ici vous avez Discord, vous cliquez dessus, vous pouvez venir en vocal directement. Et vous pouvez même venir jouer avec nous, les gars. Vous êtes la bienvenue, moi les gars je suis pas ouais. Je suis pas Barack Obama, les gars. Vous pouvez venir jouer, parler et tout, y a pas de problème, les gars. Tranquille, ouais, tranquille. Il joue, il crie partout. il est un peu comme ces chiens, il remue la queue dès qu'il joue.
Bah, je reviens, je mute, je vais répondre encore aux questions. Je reviens. Vas-y, mon gars, à tout. À tout. Alors, on en était où, les copains? Tu as acheté combien, Dana? Comment fais-tu pour avoir... Alors, attendez, merci pour tes conseils. Le conseil, les Pearls ont du mal à les coucher, alors... Ah oui, toi, elle s'appelle Pearl aussi. Oh, ok, je viens de comprendre. Ça change quoi si tu prends un Malinois standard et un Malinois Elevert Try? Comment fais-tu pour un chien loft? Il faut payer, On en était où? J'ai un Malinois particulier, c'est des chiens charbonnés. De quoi, les Malinois? Pas trop, hein. Ça dépend. Gros, j'ai un gros problème. Je sais plus où j'en suis. Ah voilà, mais les Malinois, ils sont tous les mêmes. On peut faire un Malinois standard ou un Malinois de travail. Ouais, mais non. En fait, tu peux tout faire, mais t'auras beaucoup plus de facilité avec un Malinois de travail qu'avec un Malinois d'une lignée domestique, on va dire. Vraiment, t'as une différence de fou. Moi, je te ramène Niska et Pearl dans notre groupe de chiens où eux ont des Malinois qui sont pas faits pour travailler. Les miennes, je leur dis un truc, en 10 minutes, elles l'ont compris, alors que les autres, non. Ou adopter un Malinois pas très cher à la SPA, mec. C'était le départ. Putain, gros, t'avais l'air grave énervé sur ce truc-là. Je croyais que tu venais d'arriver, tu vois. Ou alors, c'était l'intensité de partir. Ok, quand tu achètes un Malinois, l'éleveur doit te donner des papiers. S'il t'en donne pas, tu l'achètes pas, gros. Tu dois avoir les papiers, mec. Obligé. Mon Malinois vient d'une lignée de travail. Il m'a coûté 750 avec un pedigree. Il mord dans tout ce qui bouge. Dès qu'il voit un essuie, un tissu. Et voilà, c'est ça. C'est ça, justement. Le Malinois de travail, il aura une facilité au mordant que les autres n'auront pas. J'ai ma Malinoise, elle a du mal à s'entendre avec les autres chiens. Comment je peux faire? Merci, continue, ça c'est super. Merci pêcheur du 45, ça me fait plaisir. Lui faire voir un maximum de chiens, un maximum de fois possible, maximum de temps. Et en prenant des dispositions, hein. S'il faut mettre une muselière, mets la muselière, voilà. Faut vraiment la forcer à bouger. Et puis un jour, elle va sûrement se faire recadrer par un autre chien. Et tout ira mieux. T'inquiète pas, il y en a beaucoup qui ont ce problème là. Est-ce que avoir tes Malinois t'a déjà apporté des problèmes? Comme certaines personnes pourraient avoir peur. Ouais, ça j'en ai tout le temps. Je m'embrouille beaucoup avec les gens. Je m'embrouille énormément avec les gens parce que moi je les promène sans laisse. Et il y a plein de gens qui disent « Ouais, vos chiens méchants, attachez-les, connards et tout, j'en prends plein la gueule. » Mais par contre, voilà. On m'insulte, moi, il n'y a pas de problème. Par contre, quand il y a des gens, ils sont là. Une fois, il y a un gars, il a pris un bâton, il a essayé de taper ma chienne et tout. Bon, laissez tomber, les gars. Il y en a, c'est des fous. J'ai des enfants, je voudrais savoir si c'est compatible. Carrément, Rachid, c'est carrément compatible. Iska, elle a fait un petit séjour chez mon beau-frère. Et ma nièce, elle a un an. Et ça s'est très très bien passé. Très très bien passé. Oui, Rachid, j'ai des enfants. Tu refais un live ce soir? Ouais, je refais un live, mais sur Twitch. Voilà. Je serai sur Twitch ce soir, pas sur YouTube. Donc pour ceux qui l'ont pas, voici ma... Ah non, attendez. Pour ceux qui l'ont pas, voici ma chaîne Twitch. Que vous pouvez aller follow si vous voulez me voir. Par contre, je ferai des petits jeux. Je jouerai sûrement à Paladin ce soir. S'il y en a d'entre vous qui jouent. Alors, en Bretagne. En Bretagne, il y a un peu de tout. De race, même des jacks. Ah ouais. C'est braque. Il y a quelques malous aussi, mais il y a un peu de tout. D'accord, mais les Jack Russell, ils t'aident pas du tout à te tirer vers l'avant, si? Si on achète un Malinois, l'éleveur doit te donner des papiers. Bah oui. Il doit t'en donner, gros. C'est obligé. Yo, Milan, ça va ou quoi, frérot? Il doit te donner des papiers et s'il t'en donne pas, tu l'achètes pas, gros. Enfin, c'est obligé. On peut jouer avec toi? Ouais, tu peux jouer avec moi, Yanis. Tu peux jouer avec moi, carrément. Est-ce que tu veux, gros? J'ai plein de jeux sur l'ordi et sur la Play 4. C'est cool, tes lives, c'est un kiff total. Merci à toi, Flocon. Oui, Yanis, franchement, venez avec nous. C'est des parties, des bars, ouais. Ouais, bah, vous voyez, il y a des mecs là qui sont sur live qui jouent avec moi, les gars. C'est quoi un Malinois standard? Un Malinois standard, regarde sur Google, t'auras la taille exacte. La taille du standard et compagnie. Là, je l'ai pas en tête. Hein. T'as des centimètres à respecter et un poids et tout ça. Il y a aussi une lignée de beauté chez les Malinois. Ouais, il y en a aussi des... Il y en a beaucoup moins, mais il y en a. Le Malinois, il faut lui faire combien de vaccins? Comme tous les chiens, les vaccins standards.
MDR, moi beaucoup de personnes changent de trottoir. Et ouais. Et puis attends, quand on a deux, c'est encore pire. Pour là ça va que la petite elle est petite, mais quand elle va grandir, ça va être horrible. Moi je sais pas si vous avez vu les photos là où je balade une dizaine de chiens en même temps. Doberman, Staff, Malinois et tout, laisse tomber, c'est la dinguerie. J'ai un problème, mon Malinois est très peur, c'est normal, il a 8 mois. Iska avait très peur, elle a eu très peur jusqu'à l'âge de ses 1 an et demi. Alors 8 mois, sors-le vite, maintenant. Et là, malheureusement on est en confinement. Mais faut lui faire voir du monde là, de suite. Faut vraiment que tu lui fasses voir du monde, que tu le sortes un maximum. Si notre chien est pas lof, on peut le promener tranquille. Ouais, ça change rien. Pour les enfants, plutôt beauté ou travail? Les deux, il n'y a pas de problème. Juste, il faudra faire attention si tu prends un chien de travail. C'est que si ton enfant, il est jeune et qu'il a des doudous, l'autre chien il va peut-être essayer de tirer dessus et tout, tu vois. Voilà, mais c'est rigolo, c'est pas méchant. Dommage que tu programmes pas des lives sur YouTube. Alors, merci pour ton follow sur Twitch, amigo. Yeah! Alors, pour répondre à ta question, je vais en programmer, mais là je stream avec mon téléphone. Donc, autant vous dire que j'ai pas beaucoup de gigas et que ça peut se couper d'un moment à l'autre. Donc, c'est pour ça que je programme pas, je fais des trucs à l'improviste. Mais ça va être programmé parce que j'ai commandé une box 4G et normalement, plus de vidéos qui vont arriver parce que je serai pas obligé d'attendre 3 jours pour mettre une vidéo sur internet. Et du coup, je vais pouvoir le stream tous les soirs, en tout cas pendant le confinement déjà. Pas de soucis, je pourrais venir sans jouer, mais pour parler. Ouais, carrément, vous pouvez venir parler, les gars. Vous avez le lien Discord, là, je vous ai expliqué comment faire. Après, je vous mettrai tous les grades invités et vous pourrez tous venir. Pas de soucis, je pourrais venir jouer. Il y aura des jouets à me conseiller, car n'importe quel jouet, ça fait 5 minutes. Alors, déjà, t'as les boudins de travail pour l'éducation. Boudin d'éducation, ça, c'est petit jouet, tac, 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 que tu prends. Et tu lui donnes que pour l'éducation et c'est censé être son jouet préféré. Tes Malinois sont vraiment rapides, ouais. Ouais, gros. Même en vélo, quand je suis à fond, je les doute pas. Gros, tes lives YouTube, c'est lourd, merci. Merci à toi, gros. Merci à vous de regarder. Ce serait pas aussi lourd si vous étiez pas là en train de parler avec moi, les gars. Si je serais tout seul, ce serait bidon. C'est quoi l'off ou pas l'off? En gros, c'est quand les parents sont déclarés à la Société Centrale Canine. Merci de ta réponse, de rien, Rachid. C'est cool les lives YouTube. Mais c'est pareil aussi sur Twitch. Hein. C'est même que sur Twitch, on peut faire des petits jeux et tout qu'on peut pas faire sur YouTube. Faut dire aux gens aussi de faire attention que les choses soient bien restées avec leur mère jusqu'à 8 semaines. Ouais, c'est vrai ça, les gars. C'est vrai. Faut que les choux, ils soient. Il faut pas les prendre trop tôt, les gars. Même à 2 mois et demi, quand vous prenez le chou, c'est bien, mais bon, le mieux c'est 3 mois. C'était pas le cas avec le mien et j'ai eu plein de problèmes de comportement. J'ai réussi à pratiquer. Heureusement, il est très sociable avec les chiens et les humains. Mais c'est bien, c'est que t'as fait le bon travail, GP. Malinois de SPA, je peux le dresser. Ouais, Fano, tu peux. Tu sais, Iskal pourrait aller à la SPA. Imaginons demain, il m'arrive un problème. La caméra girl, elle est plus là. Et ben, Iskal finit à la SPA, les gars. Donc, je touche pour France que ça arrive pas, mais voilà. Vous pouvez avoir des chiens top à la SPA, les gars. Alors, Malinois, tatata, il est pas peureux des humains, mais des autres chiens, car il vit avec d'autres chiens, mais il s'impose pas. C'est surtout ça le problème. Ouais, jusqu'au jour où il va s'imposer et où ça va devenir un peu méchant. Alors, faut pas le couvrir non plus. Faut pas, genre, le protéger. Faut pas le protéger, hein. Le malou, si tu le protèges, après il va être à fond sur toi, ça va être un problème. Mon chien attaque les poules. Alors, comment faire pour peu qu'il attaque les poules? Ça va être très très simple à faire, mais très compliqué à la fois, mon pote. Alors c'est normal, parce que les poules font du bruit, les poules partent en courant, donc c'est l'instinct de prédateur, hein, qui passe par-dessus, donc c'est totalement normal. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Faudrait que tu chopes une poule, tu la mets devant et tu fais comme moi j'ai fait avec les chats. Genre moi j'allais dans la rue, j'allais voir les chats et je prenais mes chiens et je les empêchais d'attaquer le chat, tu vois. Je les gardais avec moi, je les gardais et voilà, tout simplement. Faut que tu chopes une poule, gros. Tu es vraiment cool, j'adore ta chaîne, merci mec, ça fait plaisir. C'est cool, les gars.
L'éducation, je vais suivre tes vidéos avec Pearl pour les hauts pieds assis, pas bouger. Si je la commence à 2-3 mois, c'est bien. C'est parfait, faut commencer à 2-3 mois. Bon appétit. Merci. Merci. Mais comment tu sais qu'on va manger? Yo, j'ai un chien de 80 kilos. Il y a un malinois dominant, mais il a peur de mon chien. C'est normal, ma gueule. C'est comme si moi, tu me mettais The Rock devant moi et que je devais me battre avec lui. Hein. Je serais pas le malin, mon gars. Tu vas faire un live à quelle heure? Dans une heure. Merci, Rachid. Si j'ai un Staffy et ses parents sont pas inscrits au LOF, ça sera un chien catégorisé. Les Staffy ne sont pas catégorisés. Normalement, hein. Si je dis pas de conneries, un Staffy ne peut pas être catégorisé. Tu penses quoi de Esprit Dog? Alors attends. On va faire un truc très simple. YouTube. Esprit Dog. Je connais tous les youtubeurs, hein, mais. Ah bah voilà, Esprit Dog. Voilà le mec que je vous parlais tout à l'heure. Alors. Moi j'aime bien ce qu'il fait. J'aime pas ses vidéos, parce que c'est pas du tout mon style de vidéo, mais j'aime bien ce qu'il fait. J'aime pas le sens où il est beaucoup trop commercial. Il sort une vidéo par jour, il veut faire de l'oseille. Hein. Il est là sur YouTube, il veut faire des sous. Y a pas de problème, il doit en faire d'ailleurs. Mais le gars, il est arrivé dans le game, il a tout pété. Hein. 36 000 abonnés en moins d'un an. Le mec, il est arrivé avec son équipe de montage. Parce qu'on voit qu'il a une équipe. Hein. On voit qu'il a des gens qui le filment et tout derrière. Hein. C'est pas comme moi, en mode solo, YOLO et tout. Le gars, il est là, il est là, il est là pour peser dans le game. Hein, ça se voit. Hein. Il est arrivé, il a dit, moi, les gars, j'arrive sur YouTube, je vais tout niquer. Si je nique pas, j'arrête. C'est clair. C'est... Et il a tout niqué. Le mec a 40 000 abonnés, il a commencé après moi. Il a tout niqué. Après, ce qu'il fait, c'est cool, les gars. Mais pour moi, il y a beaucoup trop de vidéos. Il y a beaucoup trop de vidéos. Hein. Là, j'arrive sur sa chaîne, je sais pas quoi regarder. Hein. J'ai presque tout regardé d'ailleurs. Mais ouais, même le truc des croquettes et tout, tu vois, le truc avec le fond vert derrière et tout, je sais pas. J'aime pas trop, mais j'aime bien le personnage et j'aime bien ce qu'il fait. Genre sa façon d'éduquer et tout. Après, les vidéos, c'est pas trop mon truc. À part quand il va chez les gens et tout, là, je kiffe. Tu connais Method Gun? Ouais, bien sûr, Method Gun m'a carrément inspiré pour ouvrir ma chaîne YouTube. Et quand je parle d'inspiré, je parle de la première vidéo où il lui dit vert, rouge, va chercher les clés. Comment je pourrais faire parce que j'ai un chat et comme mon chien va être dans le jardin, comment l'habituer au chat? Alors, ton chien, tu l'as déjà ou pas? Si tu l'as pas, il va s'habituer directement. Il n'y a pas de problème, le chien il va grandir avec le chat et ça va être nickel. Je joue pas à Fortnite, désolé. J'aime pas Fortnite. Je joue à Paladin, Conqueror Blade, Call of Duty, FIFA, Overwatch. Tu vas sur. Allez sur mon Discord, tu vas voir, j'ai des centaines de jeux, je crois. Il n'entend plus rien. Après, je suis persuadé, c'est pas agressif, c'est juste qu'il veut aller le renifler et voir ce que c'est. Ouais, mon chien avec les chats, je galère. Quand ils vont dans la rue, ils cuinent. Ouais, ça c'est toujours le problématique, les gars. Problématique des chats, hein. C'est. Si ton chien il a ça dans le sang, il faut le forcer. Moi je les ai forcés les miennes à aimer les chats. Il a attaqué mon petit chien. Et mon gros chien est vénère, il a mordu le malinois. C'est normal gros. Sinon regardez Eric Transon, il fait. Ah ouais, lui il habite à côté de chez moi, donc tu le connais ou pas Cassandra? Parce que moi je le connais du coup. C'est quoi ton Discord? Alors mon Discord. Voilà ma chaîne Twitch pour ceux qui l'ont pas. Et mon Discord, regardez, tac, vous arrivez sur ma chaîne Twitch qui est ici, PKFR, streaming, YouTube, machin, Twitch, tac, tac, vous descendez, Discord, ici, vous cliquez dessus, vous cliquez sur le Discord, et vous arrivez sur le Discord où je suis actuellement. Voilà, voilà. Alors déjà, on va regarder s'il y en a d'entre vous qui ont rejoint le Discord. Oh... Problème urgent. J'ai vu, il y a le taf qui vient de m'appeler. Problème urgent. On en a parlé hier. Moi, c'est l'équipe. Déjà, si je pouvais choisir ce que je pouvais réfléchir, gros, ça serait bien. T'as un problème, Démonax?
Ouais, mais de Monax, il croit que j'ai acheté un tapis. Je lui parle que Amanda elle est rentrée avec mon bébé. Il croit que j'ai acheté un tapis. Il est encore plus bourré que moi. Là, vous avez Adra là sur le Discord, les gars. La chienne noire là, de la vie d'Adra. Elle y va. Lui, c'est le plus bourré. Lui, il a pas compris, lui. Lui, il a 2000. Tu sais quoi, depuis la hard case, il est toujours pas redescendu. Non, mais parce que, hey gros, je suis en stream et j'ai 40 personnes sur mon live là. Ah ouais, d'accord. Salut le stream. Salut la team Iska Malinois. Présents, je sais qu'ils sont présents en masse sur les streams. Et ouais, du coup, voilà, bah Adrien, vous connaissez les gars. Alors attendez, c'est quoi? Putain, j'ai trop de messages encore en retard là. J'ai entendu dire que. Bon, attendez, je remets. Je croyais que t'avais un problème, Démonax, c'est pour ça que je suis venu. De quoi? J'avais un problème? Quel problème? Je sais pas, t'as marqué problème urgent sur Discord. Mais non, mais what? Mais ça date il y a une heure au moins. Bah ouais, mais j'en sais rien, moi je suis à fond sur mon live, gros, il y a plein de gens et tout, je suis content. T'es pas prêt, toi. Faut que j'aille manger, tu vois, mais je retarde l'échéance, quoi, il y a toujours des gens qui se ramènent donc. Mais tu vas te faire balayer par ta nana aussi. Tu vas rien comprendre. Non, ça va, tranquille. Bon, je me mute, les gars, je reviens après. Donc, on en était où? On en était là. Tu voulais me dire un truc? Ok. Caméra girl, elle parle. J'ai entendu dire que si on prend un staffy ou n'importe quel chien et ses parents ne sont pas inscrits au LOF, on doit les promener avec une muselière obligatoire. Alors oui, ça marche pour les staffs, les rottes et les chiens comme ça, mais pas les staffy. Les staffy normalement sont pas catégorisés. Maître Method Gun, il y a l'envers du décor, malheureusement j'ai des menaces avec lui. Ouais, j'ai entendu dire pas mal de choses sur Method Gun, les gars, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, mais apparemment. Mais moi, je me suis inspiré de lui pour ouvrir ma chaîne YouTube, les gars. Je sais, mec, j'ai eu 37 chiens dans ma vie. Waouh, c'est cool, ça. Putain, t'as dû avoir beaucoup de races de chiens. Tes malinois t'ont jamais mordu depuis que tu les as... Je me suis déjà fait mordre ou pas? Oui, mais pas par les miennes. Je me suis déjà fait mordre par plein de chiens, mais pas par les miennes. Et oui, elles m'ont déjà mordu quand j'ai le costume. Alors, salut, j'ai un gros problème. Mon petit malinois de 3 mois est super réactif au jeu et à la voix. Mais gros problème, il est toujours pas habitué aux gens dehors. Il n'a peur... Alors, il a quel âge? 3 mois. Ouais, bah c'est normal. C'est normal. T'as un mois pour le sortir le maximum et lui faire voir un maximum de gens. Si tu le fais pas, il restera comme ça toute sa vie. Aboie sur les gens, a peur des camions qui passent. Ouais, c'est normal. C'est totalement normal. Il a pas été habitué étant bébé. Donc là, c'est les éleveurs qui ont fait un mauvais taf là-dessus. En gros, tu le prends et tu le sors dans la rue et tu le forces à... Tu restes 3 heures, tu vas dans des grandes villes, Nice, Paris, Toulon, en plein milieu de tout le monde et tu le félicites, tu joues avec lui. Tu joues avec lui en plein milieu de tout le monde, tu lui fais des caresses, des câlins, tu lui parles, tu le réconfortes et tu l'encourages à plus avoir peur. Mais fonce, fais-le maintenant. Si tu le fais dans 2 mois, c'est trop tard, ton chien il va rester comme ça tout le temps. L'affaire Curtis? Tu connais l'affaire Curtis, toi? Moi, je regarde pas les informations, donc je sais pas trop de quoi tu me parles, là. Non, je l'ai jamais vu, mais je regarde aussi ses vidéos. C'est pas Cassandra, c'est Sébastien. Ah oui, pardon, Sébastien. Ouais. Est-ce que c'est normal un chien fugueur? En chaleur, c'est possible. Si c'est un mâle et qu'il y a une femelle en chaleur pas trop loin, c'est possible. Après, non, c'est pas normal. Hein. Normalement, un chien ne doit pas être fugueur. Salut Jade sur le Discord. Jade et Nino. Vincent Nolem, c'est quoi le problème avec la méthode Gun? Il sait pas c'est quoi. Wesh, tu fais quoi? Wesh, bien ou quoi, CR7 Cristiano Ronaldo? Tu connais la méthode Gun? Wesh, je connais la méthode Gun, justement, ils étaient en train d'en parler. Ah ok, merci, nickel, méthode Gun. C'est quoi la différence entre un mâle et une femelle malinoise? Mais on en a parlé tout à l'heure, amigo. Ça dépend si toi t'es un mec ou si tu es une femme. Mais les sexes opposés s'attirent. Tu en penses quoi de la méthode salivaire? Voilà. Moi, c'est pas du tout le style de méthode que j'utilise. Mais à vrai dire... Attends.
qui t'a essayé de filmer à partir de ton de mon ventre. Et la caméra est trop étirée. Essaye d'ajouter le chat sur tes cam face, ça incite les gens à chatter pour passer sur les lives et le son est impeccable en revanche et la parole aussi. Ok, merci Adri. J'ai commandé une caméra, il faut qu'elle arrive. En fait, j'ai une caméra zoom et je peux pas la dézoomer et je peux pas la mettre plus loin. À moins que je fasse ça, regarde. Hop, genre je me cale comme ça. Mais là, j'arrive à peine à lire ce que vous me dites et le micro est trop loin. Mais oui, les gars, j'étais pas du tout préparé à faire des lives, donc je vais avoir une nouvelle caméra et tout va bien se passer, les gars. Après, ouais, si vous voulez voir le chat, hop là, on fait ça comme ça. Tac, mon gosse. Vous voyez le petit chat en direct avec ma grosse teuté. Alors, les staffs, on peut les promener à 14 ans. Non, il faut que tu sois majeur, amigo. Salut à toi, Adrien. Yeah, gros, t'es connu ici, t'es comme le loup blanc, non? Non, c'est que je n'aime pas la méthode Gun sans vouloir critiquer, c'est qu'il n'a jamais partagé quoi gratuitement, ouais. Ouais, vous avez raison là-dessus. Malheureusement, j'aime bien ce qu'il fait avec ses chiens, mais c'est vrai qu'il partage pas gratuitement. Bon, après, voilà, il veut gagner son gagne-pain, hein, et c'est tout à son honneur. C'est tout à son honneur. Yeah, Jade, je sais que t'es sur mon live. Alors, merci, je vais faire au mieux. Sans vouloir critiquer, tatata, les staffies sont protecteurs. Ouais, bah tous les chiens, les gars. Tous les chiens. Merci, je vais faire au mieux pour le sortir tous les jours. Aujourd'hui, j'étais au bureau, tabac. J'ai discuté avec le buraliste que je connais et laisse le chien observer les gens qui rentrent et qui sortent. Ouais, t'as raison. Justement, faut le sortir, faut l'emmener dans des endroits comme ça. J'aurais dû prendre une femelle. Enfin, maintenant c'est fait, j'assume jusqu'au bout. Mais mon mâle a un tempérament super fort, essaye un peu de me dominer. Voilà, vous voyez sur le chat, c'est exactement ce que je disais avec les mâles quand t'as un mâle. Voilà, vous avez Adrien là sur le live, il a une femelle aussi. Il a une complicité de ouf avec Adra, hein, vous pouvez voir. Et la Staffy à 14 ans. Staffy, ouais, tu peux la balader. Dis-nous les avantages et les inconvénients des malinois. Elles sont super peur, Liska, merci. Eh, les filles. Les filles. Vous êtes superbes, les filles. Ouais. On est super. Pearl. 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 Oui, papa. Oui, mon papa. Alors, les avantages et les inconvénients d'un malinois. Là, on touche une corde sensible à l'arc. Ouais, je sais que le son est mal réglé. J'ai acheté un micro cravate et je l'avais pas. Du coup, normalement, sur la prochaine vidéo, il devrait être réglé. Justement, j'avais besoin de sortir une vidéo pour pouvoir le régler. Elles sont où, Pearl Iska? Bah, je viens de te les montrer. Avantages et inconvénients d'un malinois. On va rester là-dessus parce que c'est une question très intelligente, les gars. Avantage, chien intelligent. Je vais mettre mes mains là devant. Chien intelligent. Chien magnifique. Toujours envie d'obéir. Toujours envie d'apprendre des nouvelles choses. Chien travailleur. Chien tout terrain. Ça, vous pouvez faire ce que vous voulez avec un malinois. Chien qui n'est jamais malade. Des qualités, il y a toutes les qualités que vous pouvez dire sur un chien. Maintenant, les défauts du malinois, têtu, parfois, hein, ça peut être têtu, et ça demande beaucoup de sorties. Donc ça, c'est un défaut ou une qualité, ça dépend pour vous. Elle s'ouvre par l'isque. Ouais, méthode Gun, il a dit, chaque chien est différent, etc. C'est vrai, il a raison. Mais il y a quand même quelques conseils qui peuvent s'appliquer. Ouais, voilà, il y a quelques conseils. Après, c'est comme je vous le dis dans mes vidéos à moi. Je vous le dis, ça peut ne pas marcher avec vous, mais ça a marché avec moi. Donc, je vous partage ce qui marche avec moi. Voilà. Sur ta dernière, comment tu fais pour promener tes chiens s'il y a le confinement? Alors, moi, j'ai de la chance. Là où j'ai fait la dernière vidéo avec Pearl, d'avoir un grand espace vert à 100 mètres de chez moi. Voilà. Est-ce que les setters anglais peuvent être agressifs?
Tous les chiens peuvent être agressifs, mon ami. Tous les chiens. Tu peux me donner les conseils pour convaincre ma mère de prendre un malinois, sachant que je n'ai jamais eu de chien. J'ai une maison avec deux jardins. J'ai 17 ans. Alors là, le conseil que je vais te conseiller, c'est pas de convaincre ta mère de prendre un malinois, c'est déjà de convaincre ta mère d'avoir un chien. Déjà de base. Ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu montres à tes parents ou à ta mère que tu es responsable et que c'est toi qui vas t'en occuper. C'est toi qui vas le nourrir, c'est toi qui vas le sortir, et quand tu seras pas là, bah ils devront s'en occuper. Sache que t'as 17 ans, donc tu vas faire, tu vas sûrement sortir en boîte, tu vas sûrement faire des soirées, tu vas sûrement faire des dingueries où ton chien ne pourra pas venir avec toi. Et là, ce seront tes parents qui vont s'en occuper. Donc là, c'est vraiment à toi de jouer sur le tableau, dans le sens où si tu t'engages là-dedans, tu t'engages sur 15 ans. Sache-le. Après, voilà, conseil, moi je connais pas tes parents, donc je peux pas t'aider non plus là-dessus. Un jardin, tu devras sortir ton chien, si tu le laisses dans son jardin, il va devenir dingo dans sa tête. Ouais, GP, t'as totalement raison. Faut commencer à l'éduquer quand son chien, à partir de 3 mois. Nous, on a commencé avec Pearl à partir de 3 mois. Dis-nous les avantages des staffies. Malheureusement, j'ai pas de staffies. Alors, un avantage, c'est petit. C'est aussi intelligent qu'un malinois. Peut-être un peu moins quand même. C'est volontaire, ça aime apprendre des trucs. Tu peux faire pas mal de tours et tout avec un staffy. Franchement, moi, si, imaginons, j'aurais pas de malinois, j'aurais pas d'espace. J'ai pas trop d'espace, mais j'aurais encore moins d'espace. Je serais en galère dans la vie, on va dire, dans un tout petit studio. Vraiment, ce serait la merde et tout. Je prendrais un staffy dans le sens où c'est pareil, c'est zéro entretien. Mais ça demande beaucoup moins de sorties, ça demande moins d'espace, moins de temps que le malinois. Mon chiot malinois était bien clair quand je l'ai eu, maintenant j'ai l'impression qu'il devient charbonné. Ouais, bah moi elle était noire, Pearl elle était noire et maintenant elle a la même couleur qu'Iska, donc ça change avec le temps. Est-ce qu'un chien acheté à la SPA ou refuge peut devenir love par confirmation? Oui, si il a les papiers. S'il a les papiers, ouais, tu peux. S'il a pas les papiers, tu pourras pas. Ma mère ne veut pas m'acheter un malinois car elle croit pas que. Ben voilà, tu vois, c'est ça le problème, c'est ce que je te disais. Faut convaincre ta mère que tu peux t'occuper d'un petit malou. Eh oui. La trame malinois est présente. On ne peut pas l'éduquer avant 3 mois, pourquoi? Ben ça sert à rien. Bah déjà parce que si tu peux, ça sert à rien, je te dis une bêtise. Mais moi je préfère quand tu reçois le chien à la maison, je préfère que le chien se sente bien et l'accueillir bien comme il faut sous son nouveau toit, on va dire. Et je préfère lui laisser 2 semaines, 1 mois tranquille. L'éduquer, on va dire, plus pour le pipi dehors, les trucs comme ça. Et après, quand il se sent bien et tu commences à avoir une relation avec le chien, là, je préfère lui apprendre le dressage. 15 ans. Quand on prend un chiot staffy, on doit le promener combien de fois? Bah, ça reste un chien, hein. Tu dois le promener au moins 4 fois par jour, hein. Le sortir au moins 4 fois par jour, hein. Mais moi, tu vois, le malinois, faut lui faire des allers-retours, du vélo, du sport, du truc, du machin. Le staffy, non, juste tu le promènes, il va être content. D'après toi, vaut mieux faire travailler le chiot avant une activité physique ou après une activité physique? Alors, sache que le chiot apprendra mieux après. Dans le sens, la marche au pied, par exemple, il sera moins excité si tu lui apprends après. Mais il apprendra mieux avant, mais il aura plus de facilité à apprendre après. C'est-à-dire que si tu lui apprends avant l'exercice, une activité physique, il va comprendre que s'il travaille bien, il va faire une activité physique. Donc il va être content de travailler pour pouvoir faire son activité physique, tu vois. Moi j'ai une femelle malinois où je connais ses origines, de très bonnes d'ailleurs, mais malheureusement je n'ai pas son pedigree et je peux pas faire le love car elle a une petite queue. Ah ouais? Ah c'est dommage ça. Ton premier chien, ça t'a fait peur? Non.
Non. Ça m'a pas fait peur du tout. Mon premier chien, à moi, tout seul, on va dire, sans mes parents, mon premier chien, je l'ai eu à 20 ans. Le Staffy, c'est quand même... faut croire, sans beaucoup de sport, mais... Ouais, c'est une boule d'énergie, mais c'est pas pareil. Il va courir 300 mètres, il va être fatigué, entre guillemets. Le Malinois, 300 mètres, c'est rien pour lui. À quel est le âge, je suppose, on peut avoir un chien à tout âge. Ça dépend de ta tête. Ça dépend de ta maturité personnelle. C'est plus fort un Staffy ou un berger allemand en combat? Franchement, moi je dirais Staffy. Je dirais le Staffy parce que le Staffy, quand ça mord, ça lâche pas. Et c'est que du muscle. Donc il va prendre des... Quand il va se faire mordre, il va pas avoir mal. Alors que le BA, il va avoir mal quand même. Salut, j'aimerais te mettre chien, mais je sais pas trop quelle étude faire en étant majeur. Si tu peux me conseiller. Ouais. Tu passes ton ASCCI. C'est un niveau bac pro. Ça dure entre 3 et 6 mois. Il faut que ton chien ait 12 mois et que tu aies 18 ans minimum. Voilà, ASCCI. Sparrow, je pense le berger allemand. Après, dépend du type. Après, voilà, tu peux avoir un berger allemand de 50 kg comme un berger allemand de 20 kg. Donc, Staffy ou Malinois? Quoi, en termes de baston? Moi, je pense que je... C'est quand même compliqué tes questions parce que ça dépend du chien. Ça dépend du chien. Mais les Staffy, c'est des chiens de combat à la base. Donc, Yo Gravity FR, salut! Welcome to the stream! Mon chien a une petite queue car sa mère lui a mangé. Oh le pauvre! Le pauvre! Les Malinois fait partie des chiens les plus rapides. Ouais. Largement. Staffy ou Malinois en combat. Ouais, mon Malinois saute très très haut. Malinois au berger allemand. Ah, Malinois au berger allemand. Alors moi personnellement, je pense largement que c'est le Malinois qui gagne. Parce que le berger allemand est super lent quoi. Ça court pas vite et tout. Mais par contre une fois qu'il aura mordu, il va faire plus mal je pense le BA. Mais non, moi je parierais sur le Malinois. Bon les copains, je réponds à vos 2-3 dernières questions. Après faut que j'y aille. Malheureusement faut que j'aille manger. Mais pour ceux qui veulent revenir sur le live se poursuit à 21h sur Twitch. Voilà le lien. Hop là, lien Twitch les gars, allez follow ça. Et puis on se retrouve à 21h sur Twitch. Je réponds à vos 3-4 dernières questions. Et après, il faut que j'aille manger les copains. Alors le problème avec les setters anglais, c'est qu'une fois qu'on l'a lâché, il court après les oiseaux. Bah ouais, c'est fait exprès. C'est fait pour. T'as toujours eu un Malinois? Là j'en ai deux, et comme je disais, mon premier Malou, je l'ai eu il y a 6 ans. J'ai eu mon premier Malinois il y a 6 ans. Et non, j'avais pas de Malinois avant. J'avais Labrador, Lhasa Apso, Coton, voilà. Staffy ou American Staff? Moi je préfère les Staffy personnellement. Après si vous parlez encore de bagarre là, comme tout à l'heure, c'est sûr et certain que l'American Staff il va le dominer. Ta vidéo pour la laisse est au top. La laisse, la marche au pied en laisse. Merci ma couille, ça fait plaisir. Merci, ça m'aide beaucoup de pouvoir te demander, comme je sais que tu étais maître chien, et continue tes vidéos. Merci beaucoup Jérôme, ça fait plaisir, et oui, je vais continuer mes vidéos, et il va y en avoir de plus en plus, car j'aurai une nouvelle connexion internet d'ici peu. Normalement, oh là là, j'en parle beaucoup, mais j'espère vraiment que ça va se faire les gars, parce que si ça se fait pas, je serais super déçu. Non, je suis plus maître chien, mais oui, je le suis encore pendant un an. C'est-à-dire que je ne le suis plus, mais je peux travailler dedans quand j'ai envie pendant un an encore. Je pense que tu ne devrais pas dire qui est le plus fort en combat de chiens, c'est pas fait pour ça. Bah ouais, t'as raison. Non mais je suis totalement d'accord avec toi. Des chiens, c'est pas fait pour le combat. Mais après, il me demande... tu penses qui gagnerait, tu vois. C'est entre nous comme ça. Mais bon, des chiens, c'est pas fait pour se battre, hein, c'est sûr. Malinois, lévrier. Merci du follow, ma gueule. En rapidité, bah, lévrier, ce sont des chiens faits pour. Hein. Ouais, ça change. Merci Anso KTM, tu roules en quoi? 4,5 EXC. Merci du follow. Pop. Ça fait plaisir les gars. Tu roules en EXC ou quoi? Du coup, avec mon oncle, nous sommes obligés de lui mettre un collier avec une batterie.
Ouais, bah ça marche. Ça, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Je peux avoir un staffy, je le laisse tout seul à 8h, je rentre à 15h30. Bah oui, y a pas de problème. Y a pas de problème. Je t'adore et continue comme ça. Je vis. Je vis. Alors merci que tu m'adores et continue comme ça. Et j'espère pour toi que tu vas vivre longtemps, mon pote. Parce que tout le monde va au travail et moi à l'école. C'est normal, t'inquiète pas, les chiens peuvent rester tout seuls. As-tu des conseils pour faire une sorte que le chiot prenne confiance en lui? Ouais, il faut le valoriser à mort, toujours l'encourager et lui parler. Alors à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure pour les chiens qui ont du caractère, là il faut faire « Allez ma fifi, ouais c'est bien, allez joue, ouais 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 !» Tu vois, faut faire un peu... Venez les filles, faut faire un peu des voix comme ça, tu vois. Et « Ouais ma fifi !» Petite perle. Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Bisous, bisous, bisous! Ouh là 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 là! Là, c'est la... Ah, elle est où la caméra? Ouh, elle est vraiment bizarre cette caméra! La petite perle et la grosse mémère! Eh ouais, faut leur parler comme ça pour leur donner confiance! Ouh là, ouh là! Pourquoi n'as-tu pas de CAP éducateur canin? De CAP? Alors moi j'ai voulu passer j'ai pas de CAP éducateur canin parce qu'en fait déjà le diplôme que j'ai est déjà au-dessus du CAP éducateur canin. Et pourquoi? Bah quand j'étais jeune j'étais un peu débile et je faisais ce que j'avais envie dans la vie, donc je savais pas encore ce que je voulais faire, je savais que c'était dans le monde animal. J'ai toujours eu un truc avec les animaux, mais bon. Tu m'as beaucoup aidé, ben de rien Sparrow. Laisse-le aller manger, PTDR, bon appétit. Merci gros. Ah, je vais y aller, là je réponds à vos trois questions, après j'y vais. Là les gars, ça sert à rien de poser des questions, je réponds à ça, après j'y vais les gars. Pendant les voyages, si on peut pas l'amener avec nous, on peut faire comment? T'as des gens qui s'occupent de garder les toutous qui sont très très forts. Si t'es dans le sud de la France, j'ai des contacts. Mais t'as des gens qui gardent les toutous qui sont très 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 forts. Et ça coûte 10 euros la journée, les gars, c'est pas très cher. Quand je lâche mon chien en promenade, s'il voit qu'on ne le suit pas, il est trop loin, il s'arrête alors qu'on lui a appris. Je suis content de ouf. Ah ouais, bah ça c'est bien. Les malous font souvent ça d'ailleurs. Dès que j'ai mon ou ma malina, je vais faire une chaîne. Ou pas, je peux ou pas à 13-14 ans parce que j'ai envie juste d'aider les gens pour le dressage pour qu'ils abandonnent. Attends, alors oui, tu peux faire une chaîne YouTube. Après, faut faire très attention quand tu vas faire ta chaîne YouTube de pas dire tout et n'importe quoi. T'es sur internet, tu vas te faire lyncher, mon pote. Je te le dis, je préfère te le dire maintenant. Genre, moi, vous êtes 11 000. Imaginons sur une vidéo à 10 000 vues. Je vais avoir 100 commentaires positifs. Des gars, vous êtes là, vous êtes les gars sûrs et tout, lâche rien, fais des vidéos et tout. Et je vais en avoir 5. Ouais, tu dis n'importe quoi, t'as un trou du cul, machin et tout. Alors tu prends 10 000 personnes, ok? Sur les 10 000 personnes, t'en as généralement 9 000 qui sont même pas connectés sur YouTube, donc ils peuvent même pas te laisser de commentaires. T'en as qui regardent ta vidéo, ils aiment bien. Donc c'est cool, tu vois, ils vont mettre un petit like, ils vont nexter. Et t'en as, ils ont surkiffé ta vidéo, donc ils vont mettre un like et un commentaire. Et t'en as, ils tombent dans le collimateur, ils t'aiment pas du tout, donc ils vont te mettre un dislike et un commentaire. Il faut être prêt à ça, mec, hein. Quand tu ouvres ta chaîne YouTube, tu vas avoir des mecs qui vont t'insulter et tout, hein. Je préfère le dire, parce qu'il y en a, ils sont pas prêts à subir ça. Moi, je le suis, les gars, vous connaissez mon tempérament, je m'en bats les steaks total. Je suis là, tranquille et tout, avec vous, on est posé au calme. Donc, sache-le. Alors, j'aimerais faire maître chien, est-ce que c'est un boulot facile? Très très dur, et ça dépend où est-ce que t'habites. Si t'habites dans le nord de la France, c'est un boulot OP. Si t'habites dans le sud, là où je suis, prépare-toi à faire 100 bornes par jour avec ta voiture, travailler toute la nuit, faire 2 heures de route aller, 2 heures de route retour, et à être payé à 2500 euros par mois, mais à faire des heures de fou, quoi. As-tu déjà voyagé en avion avec ton chien? Non, négatif. Négatif, négatif. Abandonne pas leur chien. Faut lui donner un cachet pour l'endormir en moitié. Qui ça? Ah oui, dans les avions. Merci beaucoup pour tes conseils, mais merci à toi d'avoir regardé.
Bon les copains, quand j'ai un staff, il reste 8h seul, 30 minutes le matin, il va aboyer. Mais ça après, tu sais pas, ça dépend du chien que t'auras mon gars. Faut vraiment... quand t'auras ton chien, là après, tu pourras me dire un petit peu son caractère et tout. Et là je pourrais t'aider à distance, y'a pas de problème. Bon les copains, vous êtes tous au top. Merci beaucoup d'être passé, ça m'a fait plaisir de discuter un petit peu avec vous. N'oubliez pas, rendez-vous dans une heure, même un peu moins 40 minutes, sur Twitch pour ceux qui veulent continuer l'aventure en live. Donc je jouerai en même temps, on papotera comme ça et tout, mais je jouerai en même temps, donc sur cette vue là, tac, comme ça, petite caméra, on joue et tout. Tranquille les copains. Les filles, venez dire au revoir. Eh, allez, 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 là, on se dépêche, là, on vient dire au revoir. Oh les flemmards. Eh, viens par là. Oui. Iska, allez viens. Iska, allez, allez, allez. Allez, viens. Viens. Oui. Vous dites au revoir à YouTube les copines. Ouais, maman elle est en train de manger, donc elles sont obsédées par le manger. Allez, je vous fais plein de gros bisous les gars. N'hésitez pas. Allez sur Twitch, me regarder à 21h les copains. Plein de gros bisous, merci à toutes et à toutes d'être passées. Ça m'a fait plaisir de ouf pour un live improvisé. Vous avez été nombreux et tout. Comment ça, j'ai pas compris? Bah, en gros quand t'auras ton chien, on pourra se parler en vidéo et tout si tu veux. Et je te donnerai, je t'aiderai, y'a pas de problème. Allez bisous les copains, à bientôt. Merci à tous d'avoir regardé ce petit live. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager si ça vous a plu. Venez sur Twitch les gars, tous les soirs on fait des petits lives. Et gros bisous de tout le monde. Ciao ciao, peace out les copains. Bisous.